Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour Zach en roue libre, 7e épisode de la saison. Avec un placement central qui a un petit peu changé, mais un changement qui est absolument normal parce qu'on est dans une configuration exceptionnelle liée au fait que j'ai des invités d'exception aujourd'hui, et je vais revenir dessus dans un instant. Je suis très content d'être avec vous pour ce 7e épisode. Vous êtes déjà très en forme dans le chat, ça fait extrêmement plaisir les amis. Je profite de ce début d'émission pour vous rappeler le calendrier d'invités de novembre. Bon, on en profite, hein. La semaine prochaine, j'aurai le frérot de Captain Roshi, voilà, le premier artiste de cette saison. Énervé. Dans deux semaines, j'aurai Seb. Dans trois semaines, et j'ai checké un truc, je devais avoir PFUT, mais PFUT, ça se fera plus tard, je pense. Dans trois semaines, c'est ma 100e émission. Vous êtes les 97e. Okay. Félicitations, on peut faire du bruit quand même pour ça. Bientôt l'instant quand même. C'est moi. Donc dans trois semaines, la 100e émission, il y aura une spéciale. Et du coup, le 30 novembre, fin du mois, j'aurai Magla, la streameuse, vous connaissez. Donc ce sera à nouveau très très cool. Donc je vous remercie de suivre, ce sera énervé. Mais bon, on parle de l'avenir maintenant. Il est temps de se concentrer sur le présent. Aujourd'hui, j'ai des amis que j'aime bien. J'ai des amis qui sont très polis, qui ont beaucoup d'énergie. J'ai Fraud chez Camino TV. Comment allez-vous, ouais, les gars? Ouais. Merci Zach pour l'invitation, mon BG. Merci de ouf. Merci. Ça fait longtemps que je vais faire ça. Donc ouais, de ouf. C'est lourd. Ouais. C'est lourd. Vous avez vu, on a déployé le setup. Hein. Vous êtes 4. Franchement, on est 4. C'est grave. Il manque 4-5 sièges pour que ce soit. Ouais, vraiment ambiance planète rap. Vraiment. Tu vois la config ici et la config quand t'es venu dans notre live. C'est pas la même. Les moyens non plus. On est en transition. Tu vas revenir. C'est mieux d'ailleurs. C'est bien mieux. Non, mais ça fait très plaisir de vous recevoir. C'est vrai que tu l'as dit, on devait se le faire depuis un moment, il y a un an, etc. Puis au final, c'est vrai que c'est mieux de le faire en vrai. Ouais, fort, fort. Et surtout, là, pour le coup, je suis encore plus content de vous avoir sur ma chaîne, tu vois, c'est une fierté. Genre, j'ai l'impression de vous recevoir dans ma maison. Franchement, ça nous fait encore plus plaisir, en vrai. C'est énervé. Du coup, tout ce qui est sur les étagères, c'est à toi. C'est au décor. C'est au décor, c'est au décor. Bon, je me permets, petite question, etc., avant qu'on commence tranquillement. Vous allez bien, en ce moment, tout roule? Ça va, hein? Tout roule, nickel. J'allais dire, c'est la rentrée, mais la rentrée, c'est fini, là, en vrai. C'est les vacances pour les étudiants, là. Ouais, bon, les vacances... En fait, j'ai encore l'impression que c'est la rentrée, moi. Ouais, moi aussi. On est dans le show là. Donc. Comment ça se fait que début novembre vous avez une impression de rentrer comme ça? J'sais pas. On n'a pas relâché la pédale encore peut-être? On est peut-être un peu tout le temps en rentrée nous en vérité. C'est ça. On se lève tous les jours à la même heure. Ouais. C'est tout le temps les mêmes trucs, j'avoue, c'est la rentrée. Non, mais c'est la première rentrée où que ce monde part pas en vacances en plus. Non, mais ça peut s'entendre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Bah, c'est super. Et bah, du coup, les gars, je vous explique pour le live, je me permets, ils sont venus à 6, ils sont 4 en live. Ouais. Et en fait, tout le long du live, au besoin, selon les questions, ils se permettront de switcher. Il y en a deux autres qui sont là-bas dans la régie. Donc, si vous voyez des petits allers-retours, des frérots qui passent derrière moi et d'autres qui arrive, c'est tout à fait normal. Donc du coup, si je commence à poser une question et qu'ils disent « Ah bah tiens, là je pense que peut-être le frérot dans la régie peut y répondre mieux », et ben il pourrait y avoir des switches, c'est SmackDown, voilà, c'est WWE, Tag Team, let's go. Voilà, ça se tape la main à l'entrée du studio et après ça fait le switch, il n'y a pas de problème. Donc je me permets de vous prévenir en doux début d'émission et on va démarrer gentiment. Là c'est l'émission où on doit raconter ses anecdotes, tout ça? Alors c'est une émission où en fait on va parler de plein de trucs, on va parler de vous, on va parler de l'histoire, la genèse de Camino. On va parler de la vie de Camino. J'ai analysé tout ça. J'ai regardé tout. Ah bah gros, renseigné. Ouais, j'ai regardé des vidéos YouTube que vous avez fait. J'ai regardé un live cette semaine. C'est pas le même truc. Non, c'est pas du tout le même. Non, c'est pas du tout le même. Moi, je pensais qu'on allait produire des camions. Non. Le live que j'ai regardé était bizarre. Et je tenais à dire que je vais pas participer. C'est pas Radio Street. C'est pas celui-là. C'est bon, c'est bon. C'est un live qui vous est dédié. Donc du coup, on va parler de la genèse de Camino, de vous, du média, de la vie de celui-ci, de votre avis sur des sujets d'actualité, etc. Donc c'est très très cool. J'ai également été sollicité des gens qui ont travaillé avec vous pour poser des questions. C'est vraiment l'inverse de ce qu'on fait. C'est nous on fait ça. Non mais du coup c'est assez cool que vous vous prêtiez à ce jeu. Je vous remercie. Donc vous allez répondre chacun à votre tour. Je vais vous demander d'où venez-vous, qui êtes-vous et quels ont été vos parcours scolaires. Donc c'est en individuel. Chacun. Qui veut y aller en premier? Vas-y. On fait Pierre. Non bah non, il est trop là. Qui veut y aller? Bon allez, on a bien un qui se mouille. Qui était le plus longtemps. Allez, Monro. Qui je suis? Yeah. Monro, je suis. Instagram, Twitter, mesdames et messieurs, Monro, je suis. Monro, je suis. Monro. Voilà. Hein. En vrai, non. Qui es-tu? D'où viens-tu? T'es né où? Je suis né où? D'où est-ce que tu viens? Né à Argenteuil, représente. Allez, ça suffit. J'ai grandi une partie de ma vie à Argenteuil, ensuite j'ai déménagé à Nanterre. D'accord. Mon parcours scolaire,
De base, c'était de l'électrotechnique. Hein. D'accord. Ce n'était pas du tout en rapport à ce que je fais maintenant. Mmh. Après, j'ai fait un bac pro audiovisuel. D'accord. Et en vrai, j'étais intéressé par la mode. Donc, j'ai fait une MANA, mise à niveau en art appliqué. Voilà, je me suis renseigné un peu sur les différents cœurs de métier du design. Ouais, j'ai un ami, il a fait ça aussi après le bac. Ouais, exactement. Après, j'ai vu le prix des du niveau au-dessus, qui était 10 000 euros l'année. Du coup, j'ai dit « Nope !» Je suis parti chez H&M. D'accord. Où j'ai bossé pendant plusieurs années. Quel rayon ? En parallèle avec... Quel rayon ? Non, t'inquiète. Et en parallèle avec... ouais, rayon accessoires et lingerie. Et du coup, en parallèle... Et en parallèle, il y avait bien sûr Camino qui se construisait. Ouais. Et au bout d'un moment, j'ai pu lâcher complètement H&M, me focus 100% sur Camino. D'accord. Et voilà. Et aujourd'hui, j'ai en partie le stylisme. Et voilà, tous les produits qu'on poste aussi sur les réseaux. Non, mais c'est bien parce qu'au final, genre, bah, t'as bien réatterri sur tes pieds, etc. Mais c'est quand même un peu triste que t'aies pas pu continuer tes études pour une simple prérogative d'argent parce que les écoles privées, on le sait, sont genre putain de chères. C'est cher de vous. Bah après, en vrai, j'ai... Aujourd'hui aussi. Comment ? Est-ce que tu serais là aujourd'hui si tu avais pu poursuivre tes études ? En vrai, je pense dans tous les cas, j'aurais fini ici. D'une manière ou d'une autre. Ouais, d'une manière ou d'une autre, mais j'aurais pu avoir une expérience ou des connaissances un peu plus poussées, tu vois. Comprends. Mais ouais, en vrai, c'est le problème de beaucoup de jeunes de quartier, on va dire, hein, où genre quand tu arrives à un moment où il faut payer les études, surtout dans le privé, c'est soit tes parents ils ont fait des économies et tu vas pouvoir, voilà, ils vont pouvoir te donner la chance, soit faut travailler, mettre de côté, etc. Et, en vrai, j'avais pas envie de perdre tout ce temps-là, tu vois. Ça s'entend. Cosmo, voilà. C'est à mon tour. C'est à ton tour. Merci. Alors Cosmo, il a plein de vie. Non, si. Ça va. Cosmo, je suis né dans le 78, Poissy. Ok, un peu loin. J'ai vécu toute ma vie dans le 78. Non, en vrai, c'est pas très loin. Ça suffit. Ça, c'est les gens du 7-7 qui disent ça en général. T'habites où Lyon. Au niveau des études, j'ai fait, après le collège, j'ai fait un BEP industrie graphique. D'accord. Et après, j'ai fait un bac pro impression numérique. Ça a consisté en quoi ? Vraie question, c'est même pas pour venir. Industrie graphique, ça regroupait tout ce qui est Photoshop, Illustrator, un peu de graphisme, tu vois, dans la publicité un peu. Ça t'a servi un peu après ? Ça m'a servi un peu, ouais. En vrai, ça me sert encore aujourd'hui. D'accord. Et impression numérique, c'est de l'impression, en vrai, avec des grosses machines, tout ça. Et ça me sert plus vraiment, puisque je travaille plus dans l'impression. Et ouais, du coup, je n'ai pas passé le bac. J'ai arrêté 3 mois avant le bac. Ou un mois, je sais plus exactement. Pourquoi c'était plus trop ton truc ? En fait, le système scolaire, là, il m'allait plus. Okay. Je me sentais pas bien, tout ça. Du coup, je suis parti un jour, j'étais voir le directeur, j'ai dit j'arrête les cours. J'arrête les cours, tout ça. Donc j'ai arrêté, j'ai fait plein de petits boulots entre temps. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai rien dit. Non, je sais pas. Il a rien dit. Hein. Non, c'est rien dit. Ouais, parce qu'il me regarde en rigolant. Non, parce que je sais que quand il commence ses jobs, c'est là où je recroise que ce mot, en vrai. Ouais, ça, c'est vas-y, en vrai, vas-y, on écoute. J'ai fait plein de petits jobs de manutention, tout ça, plein de trucs pas intéressants. J'ai commencé, en fait, quand je suis sorti du lycée, je suis parti faire de l'impression numérique. D'accord. Cool. J'étais en CDD, donc ça n'a pas duré. Mon contrat s'est arrêté. Et après ça, j'ai fait plein de petits boulots. J'étais bossé à Peugeot à la chaîne. Je fais des déménagements avec mon daron, okay. Des trucs comme ça. Et après, on est parti en voyage avec Sean. C'est un peu un condensé, hein, mais on est parti en voyage avec Sean à New York. Ouais. Au moment où on s'est recapté, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se connaissait depuis le collège. Vas-y. On traînait pas vraiment ensemble au collège, mais on avait des amis en commun avec qui moi je traînais et lui il traînait. D'accord. Et après, plus tard, on s'est revus, on s'est recroisés et là on a commencé à traîner ensemble. Et en fin de compte, on est parti à New York 2 semaines. À quelle occasion ? En fait, moi j'aime beaucoup voyager. D'accord. Et New York, c'était une ville que j'avais grave envie de faire. Et j'étais parti l'année d'avant, j'étais parti 3 mois. Ok. À la base, je voulais m'installer carrément là-bas. Je voulais avoir ta vibe new-yorkaise. Ouais, je voulais essayer de faire un an là-bas, taffer là-bas, essayer d'un peu... Et on voit ce qui se passe. Et on voit ce qui se passe. Et en fin de compte, je suis arrivé et pendant une semaine, je me suis dit, vas-y, je vais aller chercher. Et au bout d'une semaine, c'était terminé. J'ai rencontré des gens et à partir de là, c'était les vacances. Donc, j'ai pas continué. Mais du coup, je me suis dit, vas-y, en vrai, je vais pas vivre là-bas parce que je me suis rendu compte que c'était quand même compliqué la vie là-bas. Ouais. En faisant mes connaissances et tout ça. Je voyais les gens, ils enchaînaient des 2 boulots, tout ça, c'était dur, les loyers chers et tout ça. Donc je suis un peu redescendu. Je me suis dit, vas-y, je vais y aller juste en vacances. Et l'année d'après, du coup, je recommençais à traîner avec Sean et avec Elsie qui est en régie. Et je leur ai dit, vas-y, faut qu'on retourne à New York, tout ça, et ils m'ont suivi.
Tu les as chauffés? Ah, je les ai chauffés. De toute façon, ils étaient trop chauds. Et du coup, on est allé là-bas. Et c'est à partir de là que Sean, on a commencé à parler. Et il a commencé à me parler de Camino. Et après, pas longtemps après, une fois qu'on est revenu, etc., ça s'est plus ou moins concrétisé. Et du coup, à partir de là, j'ai commencé à bosser avec Camino. En continuant des boulots jusqu'à temps que c'est bien ça. Il n'y ait plus besoin de bosser et que ça paye vraiment, tu vois. Non, j'aime bien la façon dont vous mettez les préludes de comment ça s'est fait, parce qu'après on va revenir dessus, mais j'aime beaucoup, merci pour ton parcours le frérot, vraiment. Jeune, moi aussi 78, je suis né à Poissy, hôpital de Poissy, après j'ai vécu à Chanteloup jusqu'à mes 12 ans. Ouais. Quand j'ai eu 12 ans, j'ai déménagé à Carrières-sous-Poissy. C'est là où j'ai rencontré Cusmo. D'accord. J'étais dans le même collège que Cusmo. Et Cusmo, il faisait partie des famous, tu vois. Ah ouais, vraiment? Ça veut dire qu'il voulait pas traîner avec WAM. Ouais, parce que je suis arrivé en troisième. T'as vu, quand t'arrives dans un collège et que tu viens pas forcément de ce collège, les gens, ils te mettent un peu. Tu peux avoir un peu d'attention au début. Tu peux avoir un peu d'attention vu que t'es le nouveau tout ça, tu vois. Donc c'était un peu ça. Mais c'était le nouveau, il était carré. Et moi aussi, j'étais carré. Genre, on s'habillait large, tout ça. C'est à dire. Mais t'étais pas nouveau. Ouais, moi j'étais pas nouveau. Déjà, je suis petit, j'étais encore plus petit à l'époque. Et en vrai, il a grave cliqué avec un frère à moi qui s'appelle Nike. Ok. Et c'est avec lui qu'il est parti aux States la première année, tu vois. D'accord. Et en vrai, moi, quand j'ai déménagé à Carrière, Nike et Dimitri, c'est deux mecs qui m'ont grave pris sous leur aile, en vrai. C'est-à-dire, même si j'étais plus petit qu'eux, ils me prenaient tout le temps pour aller en soirée, pour sortir, pour jouer au basket tout le temps, tu vois. C'est bien ça. Ouais, c'était ouf. Et du coup, on a construit une relation forte comme des frères, un peu comme là, mes frères là. Et après, je me suis fait virer de mon collège, mais je travaillais bien. Après, j'ai fait virer pourquoi, si je peux me permettre? L'anecdote est noire un peu, mais non, en vrai. Si t'as pas envie, y a pas de soucis. Moi, je suis à l'aise. Et bah, vas-y. En vrai, on m'a dit un truc raciste en cours fort. Mmh. Et j'ai regardé le prof, j'ai dit, wesh, bizarre, non? Il a rien dit. Je me suis retourné, j'ai parlé avec l'autre, on s'est embrouillé, je me suis viré, tu vois. Parler. Non, tu vois, on s'est embrouillé. On s'est embrouillé, c'est comme ça, je me suis fait virer. Mais vas-y, pas fier, hein, c'était tuba. Ouais. Parce que maman était triste fort alors que j'avais des bonnes notes, je travaillais bien, c'était nul, tu vois. Du coup, j'ai changé de collège, je suis parti à Saint-Germain-en-Laye. C'était cool. Après, j'étais au lycée, fait un premier lycée, je me suis refait virer. Et c'était tuba et j'ai arrêté les cours avant le bac. J'ai fait McDo, jardinier. Franchement, c'était nul. En plus, je me souviens d'une scène. Genre, moi, j'aimais trop les vêtements. Ouais. Et genre, un jour, quand j'étais jardinier, je suis rentré à la gare de Poissy. Et en fait, il y avait tous mes gars avec qui j'étais au collège, lycée, tout ça. Ils étaient à la gare. Moi, j'étais sale, frère. J'étais avec mes habits, ouais, avec la du terre, vert. Le bleu de travail. Frère, je te jure, jusqu'à j'ai marché le pont de Poissy à pied. Je me suis dit, non, cette vie, c'est pas bon, frère. Du coup, après, j'ai continué un peu. J'ai passé une équivalence bac. Je suis retourné c'était à la fac de Nanterre. Ouais. Là, je recommençais à traîner avec Elsie, Mike, un mec qui s'appelle Anthony, ouais. Cusmo. Et voilà, après, je suis parti aux States avec Cusmo. Et quand on était là-bas, je lui expliquais Camino, tout ça. Moi, je voulais être prof à la base. Et en vrai, après, on a drop. Hein. On a drop et on a fait Camino. Mm-hmm. Et je me permets, parce que du coup, histoire de situer, t'as quel âge? Moi, je suis en 90. C'est-à-dire que je suis plus petit que. 88. Ouais. 88, Wadro. 91. Ok, vous avez à peu près. Ouais, on a le même âge à peu près. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Et en vrai, après ce voyage-là, on s'est rencontrés tous en soi. Let's go, exactement. En parlant exactement. Ah, ouais, bon tour. Attends-toi de passer à la casserole. Mesdames et messieurs, moi, c'est Pi. J'ai été au collège, je n'ai pas eu mon brevet. Voilà, tout simplement. Après, j'ai été au lycée quand même, on a forcé les bails. J'ai été au lycée, j'ai eu mon bac STG. Moi aussi, j'ai pas eu mon brevet. Ouais, on est ensemble. Arrêtez. Ah, je l'ai pas eu, mon brevet. C'est le mec qui vous vanne. J'ai pas eu. Moi, je l'ai eu. mais j'ai pas eu le bac. C'est bon, j'ai eu le bac, ça passe. J'ai eu le bac. Chacun se trouve. Alors que c'est tuba, c'est mieux de l'avoir. Ouais, j'ai eu le bac, mais finalement, ça m'a pas servi. En parallèle de ça, j'avais plein d'objectifs, plein de rêves. Ouais. J'étais à l'université, parce que j'aimais bien aussi le sport. Et l'université, pour moi, c'était qu'un rire dans ma tête. Waouh, l'université, comme dans les films, comme dans Buffy. Ouais, tu t'es dit. Je vais aller à l'université, faire du sport, gagner de l'argent. Parce qu'en parallèle de ça, j'ai commencé à travailler au Subway, sandwich artiste.
comme Maro. Sauf que l'université s'était éclatée au sol, tout simplement. C'était éclaté au sol. Genre la fac, c'était pas du tout la vision que tu te faisais du post-bac. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'était vraiment nul. De base, c'est vrai que de base, je voulais faire BTS communication en alternance. Ouais. J'avais trouvé le BTS, mais zéro. Enfin, il y a aucune entreprise qui voulait me récupérer. Ah. Du coup, j'ai été à l'université. L'université, non, c'était nul. Je travaille au Subway et du coup, je me dis ouais, non, l'université, c'est nul. Attends. Donc, qui fait de la pub, la régie, vous pouvez dire. C'est ça que je me demandais. Ah ouais, ok. Il y a live musique. Je croyais que c'était la table qui grinçait ou en bas. Ah, ouais, c'est bizarre. Ça grince fort. Mais c'est un live qualitatif parce que là, ce qui se passe, c'est n'importe quoi. On entend des coups de flûte derrière, c'est n'importe quoi. C'est spé. Wesh, à 18h, c'est pas le récap. T'es le before. Bah, dites-leur de before moins fort. Big up au gars de la régie d'ailleurs. Pas de soucis. Belle voix. Ouais, du coup, en parlant. Je capte que gagner de l'argent c'est bien, okay. Parce qu'il n'y avait pas trop d'argent à la maison. Du coup je dis je vais focus Subway. Du coup je focus Subway, j'en ai fait deux en même temps pour gagner plus d'argent. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais à l'époque ça me semblait être une bonne idée, ouais. Du coup j'ai charbonné et j'allais en soirée, j'avais de l'argent, j'allais en soirée, j'allais en concert, etc. Et à un moment j'ai en soirée à Nanterre avec mes gars de Sevran, Julien Dadou, Gorille, on va une soirée à Nanterre, ouais. Et justement à cette soirée là je rencontre Shannon Monroe et on s'entend bien direct, tu vois. Nous, on arrive, voilà, moi. T'es pas là. Ah, ouais. Non, il était sûrement invité, il a pas voulu venir, en vrai. Je pense pas, il m'avait pas invité. Hein, c'est sûr, ah. Je suis sûr que vous avez dit de venir, vous êtes pas venu. Il aimait pas sortir de carrière. Ah, ouais. C'était trop. C'est quoi, c'est le retour qui t'a... Non, t'étais véhiculé. T'étais véhiculé. Ouais, j'étais véhiculé, mais des fois j'avais pas envie de bouger. Non, mais ça peut se comprendre, ça peut s'entendre. Ouais, du coup, je les rencontre en soirée, ça se passe bien, on garde contact. Moi, en parallèle, je me blesse en jouant au basket dehors, du coup, je peux plus trop aller au taf. Les croisés. C'est plus la cheville, hein. J'ai une cheville très fragile. Et en parallèle, il y a Monroe qui me parle justement de ce qu'ils sont en train de faire avec Sean. Et Sean, il essaie de me reach pendant un moment, mais on n'arrivait jamais à se capter. Et Monroe me dit, ouais, tel jour, il y a tel événement, vas-y, viens. J'ai été, il n'y avait pas Sean, mais on m'a présenté Camino ce jour-là, tu vois. Et ensuite il y a eu un autre meeting, mais c'était des soirées finalement. Une autre soirée où on était tous ensemble, on m'a vraiment parlé concrètement du projet. J'ai dit yalla, je suis chaud de ouf. Et il a pas raconté un pan de son histoire qui est Vine. Eh, j'attendais qu'il finisse. Non, excusez-moi là, j'oublie pour de vrai. Il y a une carrière. Il était connu avant Camino. Tu étais déjà quelqu'un. Boo, Sidi. Non, Vine, Anis, tout ça, Yagou, c'était d'art. Vine, c'était stylé, on faisait des petites vidéos marrantes. Quand tu parles de ça, j'ai l'image du truc avec le dentifrice, là. Ouais, c'est mon classique. J'ai un classique. Bon, en fait, le Vine, c'est moi qui me lève le matin, je vais pour me brosser les dents, sauf qu'au lieu de mettre du dentifrice, je mets du savon. Je me brosse les dents, après il y a la caméra sur moi, j'ai la bouche remplie de mousse. Et je fais. Ça coupe Le tout en 6 secondes. Oh, j'étais d'art, c'est d'art. Ouais, Vine, c'est vrai, j'oublie Vine. Ah, j'aime bien. Il a pas parlé de rap, lui. C'est vrai, ça. Attends, aussi, on a dit, parler de musique. On a dit, on se présente rapidement. Présentation, tranquille, j'aime bien. Ouais. Tu vois. Non, c'est cool, j'aime bien. Vous êtes très passionné de vêtements, streetwear, tout ça. J'ai utilisé le langage de vieux, de culture urbaine et compagnie. Vraiment de vieux, du coup. C'est quelque chose qui remonte à votre jeunesse ou vous êtes devenu comme ça un peu avec le temps? Jeunesse, hein. Franchement, alors, jeunesse. Ouais, jeunesse. Toujours. Au-delà d'avoir eu l'influence des clips, j'avoue que moi, mes parents, ils m'ont aidé dans ça. C'est-à-dire? Je pense qu'ils aimaient les sapes, ils aimaient bien aussi essayer de me trouver des trucs stylés, tu vois. Du coup, moi j'aimais. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est... J'ai rarement entendu quelqu'un qui disait ouais, mes parents, ils faisaient vraiment attention à ce que je sois bien habillé. Ah ouais? Mais ouais. Moi, c'est ma tante. Ah, c'est pas ta tante, c'est ta tante? Non, mais daron, laisse tomber, frérot. Faut dire la vérité, c'était pas bon. Moi, avec ma daronne, c'était le catalogue La Redoute. Hein. Ouais, mais il y avait des bons trucs. Moi aussi, c'était catalogue La Redoute, sauf que c'est pas moi qui choisissais. Forcément, j'ai pas vu, gros. Moi, j'entourais ce que je voulais. Ouais, mais est-ce que t'avais ce que t'entourais? T'as même pas semblé ici, toi. Non, la plupart du temps, ouais. Hein? Ta mère, c'est sûr, elle t'habillait bien. Ouais, non, ma mère, elle m'habillait bien. Merci les refs. Ouais. Merci pour elle. Mais non, moi, mes darons, non, mais ma tante, elle me chopait de temps en temps. Je faisais des après-midi avec elle et elle m'achetait des vrais bails. J'ai des photos où j'ai des vrais vêtements. T'as vraiment des vrais bails. On verra ça bientôt. Ouais, t'inquiète. Et pour répondre à ta question, moi, c'est musique, le rap et mes incous. Vu que c'est eux qui me faisaient découvrir un peu les bails.
Franchement, moi, j'étais inspiré fort par mes incouilles et c'est eux qui m'ont fait kiffer okay. le délire sap, etc. Mais c'est beaucoup la musique, en vérité. Il y en a beaucoup, tu vois, qui peuvent avoir ce délire sap, mais qui peuvent venir un peu avec le temps, tu vois, peut-être un peu plus tard, même limite dès qu'ils commencent à faire leur premier argent. Tu Parce que sinon, avant, il y en a beaucoup qui ont soit pas le choix, soit ils s'y intéressent même pas, tu vois. Mais en vrai, avant, juste on regardait. Hein. C'est après, dès qu'on a commencé à acheter, ouais, là. Parce qu'on n'avait pas genre le budget pour acheter les sap, mais franchement, moi, je kiffais aller au marché, gros. Le marché de Sevran, il avait des pièces. Marché de Chanclou, incroyable. Il faut surmettre la cosse. Il y avait des pièces. Les ensembles Sean John, il y avait marché de Poissy aussi. C'est ça, gros. Ah, gros, il y avait les faux survêtres Lacoste. Franchement, ça passe bien. Avec double couleur. Maintenant, t'assumes maintenant. Ah, moi, j'ai toujours assumé, frérot. J'allais au collège avec. Il n'y avait personne qui parlait, frérot. Moi, je me dédicace. Moi, je veux dédicacer Joël parce que Joël, dans toutes les émissions que j'ai avec lui, il m'a toujours parlé du marché de Choisy-le-Roi. Il m'a dit les dingueries là-bas. Ouais, il m'a dit marché de Choisy-le-Roi, 3 euros, t'as 5 caleçons. La débrouillardise, c'est ça, c'est ça. Ouais. Franchement, les marchés, c'est sale quand t'es. Mais les danseurs, ah oui. En plus, si t'aimes le style. Avec très peu, tu peux faire des vrais combien. Moi, pareil, ma mère m'habillait de ouf quand j'étais petit. Et après, c'est mon grand frère qui m'a fait écouter de la musique de fou et les mecs qui me faisaient écouter, ils s'habillaient bien. C'était dard. Et mon frère, il s'habillait qu'un riz. C'était beau à voir. Et moi, je kiffais et j'essayais de reproduire avec ses sapes. C'était une dinguerie. Non, j'aime c'était bien entendre l'influence. Un peu comprendre d'où est-ce que ça vient. Je suis obligé de parler de mon Zincou. C'est parce que moi, je m'habillais qu'un riz. Enfin, il y a eu la période où je m'habillais qu'un riz avant mon Zincou et la période où je m'habillais qu'un riz après mon Zincou. Il a changé quoi? J'étais encore plus matrixé, gros. Parce que lui, il baissait son fut jusqu'au genou. Oh non, ouais, attends, non, il était technique, gros. Non, ça, mais dépend les potes, ça dépend les potes. Mais gros, pantalon baissé, Clarks, gros, il était carré, gros. Et franchement, Simer, Fliz, on est ensemble. Gros. Moi, franchement, je vois exactement de quoi tu veux parler. Parce qu'au collège, moi aussi, j'avais des potes à moi. Et je te jure qu'il y avait des potes à moi, ils étaient pareils. Tu sais, d'ailleurs, sap, mais très américain, etc. Et c'était pareil. Tu sais que c'était vraiment pantalon baissé jusqu'aux cuisses et tout, gros. C'était. Et gros, Timberland, c'était exceptionnellement dur. Hein. Tu vois, tu parles souvent du fait que je mettais des survêtes genre Lacoste tout ça en mode Quinri. Ouais. Mais en fait, il y a une raison à ça. C'est parce que moi, je kiffais trop le délire Quinri, sauf que mes incous, ils s'habillaient en mode un peu normal. Banlieue, c'est franc, tu vois. Mm-hmm. Ouais. Et moi, je volais les affaires de mes incous. Ils étaient plus grands. Forcément, ils étaient plus grands et donc les vêtements étaient plus grands, donc je portais souvent moi des survêtes. Mais vraiment, la musique, les clips, tout ça, frère, je voyais Tupac et tout. Gros, j'avais le Wu-Tang, Method Man, tout ça, là, je voyais, quand tu me dis les trucs baissés à mort, genre Method Man et Redman, frère, c'est les spécialistes de ça, dans O.I., gros, il y a un moment, il a un jean, frérot. Je sais même pas s'il y a une pente, tu vois, frérot, c'est trop. Plus R&B, moi, c'était plus R&B. Ouais. Les Nelly, Didi, Usher, tout ça, là, les tenues, là, quoi. T'as porté le pansement? J'ai sûrement porté le pansement. C'est sûr que t'as porté le pansement, non, parce que je me souviens pas là, mais c'est sûr. Tu sais que je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais il y en a un dans le chat qui a dit un truc intéressant, il a dit qu'il faut go se faire une vidéo outfit au marché. Bah, facile. Tu as une vidéo simple comme ça avec un petit budget au schéma et peut-être moyen d'envoyer des. C'est sûr, frérot. Des drips. Le Camino Shopping, ouais. Du coup, j'ai regardé. Tu viens avec nous? Si tu veux. Voilà, c'est notre go. Est-ce que j'ai déjà refusé un truc que vous m'avez proposé? Franchement, j'ai toujours dit oui. Franchement. Moi, je. Attention. Tu voulais vraiment pas faire de blague, je savais pas si. Y a pas de problème. Du coup, pour préparer cette émission, j'ai regardé la vidéo que vous aviez fait avec Chris d'Iconic de 2019, il y a deux ans. Big up à Chris. Gros big up, moi j'adore ses contenus. Chris, je kiffe. Moi vraiment, j'aime beaucoup ce gars, la vibe qu'il transfère et tout, j'aime beaucoup. Du coup, en regardant ça, si je dis pas de bêtises, Sean, t'es un peu le créateur du média, celui qui a eu l'idée. Quelle a été un peu la genèse de ce média? Et ça a été quoi l'idée qui a motivé sa création? Moi j'ai dit je voulais être prof à la base. Mmh. Et de base, on faisait même... En même temps qu'on créait du contenu, on faisait des ateliers dans les collèges. Ouais. Et on apprenait aux petits à faire à gérer la web identité. Ah ouais? En gros, faire la différence entre le comportement que tu peux avoir avec tes potes, le comportement que tu peux avoir avec ta daronne et le comportement que tu vas avoir sur le web, tu vois. Et en vrai, il faut gérer les informations que tu peux donner à ces aux différentes entités, tu vois. Tu vas pas dire les mêmes choses à ta daronne, à ton pote et à logique. Et sur le web, tu vois. Et en vrai, les petits avaient grave tendance à les petits et moi y compris en vrai à genre mettre un peu toutes les informations sur le net, tu vois. Et du coup, il y avait un de nos ateliers, c'était de leur expliquer comment ils pouvaient gérer ça. On apprenait aussi à faire genre de l'analyse de médias, ça veut dire montrer genre deux vidéos qui traitent du même sujet et leur montrer comment genre on pouvait genre t'influencer à penser genre d'une certaine manière en regardant cette vidéo. Ouais, d'un côté comme de l'autre. D'un côté comme de l'autre. Et le dernier atelier, c'était... Non, il y avait... comment ça s'appelle ? Création musicale assistée par ordi.
Et le dernier, c'était... codage. C'était, ouais, codage. En gros, création de site web en HTML. Mais c'est archi intéressant, je savais pas du tout que vous avez fait ça. Ouais, si. Mais on a fait court-métrage aussi. On a fait court-métrage. Ah ouais, bah, court-métrage. Après, le truc du court-métrage. Ouais. Les derniers trucs qu'on a fait, ouais, qu'on a fait, c'est... Et c'était il y a 5 ans, ça. Ça, c'était... Non, il y a plus de 5 ans. Il y a plus. Ouais, il y a plus de 5 ans. C'était il y a plus de 5 ans. Et vas-y, tu sais quoi, question improvisée. Est-ce qu'il y a déjà un des jeunes que vous avez eu qui a fait quelque chose derrière et qui est venu vous dire c'était grâce à vous? Peut-être que non, mais je pose la question. Franchement, après, je sais pas s'ils communiquent dessus. Mais en vrai. En vrai, il y a des petits qui font des trucs et en vrai, quand on les voit, ça nous fait un bail. Il y a quelque chose, là. Il y en a. Ouais, mais il y en a. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et sur ça, je t'ai dit, je ne voulais pas trop. Ok. Et donc, du coup, bah, ça a été quoi un peu la genèse du média? C'est quoi l'idée qui a motivé la création de Camino? De se dire, bah tiens, on a envie de faire quelque chose, de parler un petit peu de notre passion, de se réunir ensemble et tout, de le faire à notre manière. C'est quoi l'idée derrière? En vrai, la première partie, c'était de juste créer un espace où tu pouvais parler des trucs que tu kiffais, tu vois. D'accord. Et genre d'apprendre des trucs aux gens en même temps. Et en vrai, moi, j'avoue que quand je regardais la télé, je trouvais les contenus, c'était tuba. Et quand je regardais YouTube, il y avait des contenus cool, mais pas forcément sur ce que moi, je kiffais, tu vois. C'est-à-dire? Bah, genre les baskets, genre la musique. La façon dont c'était traité à ce moment-là sur YouTube et tout, ça te plaisait pas? Bah, en vrai, moi... Ça parlait pas? En fait, moi, j'aime pas trop les médias. D'accord. Ça veut dire, quand les trucs sont formatés, tout ça, je trouve ça bizarre. Moi, j'ai besoin d'un espace où... Tu vois, là, par exemple, depuis tout à l'heure, on discute, j'ai pas l'impression d'être dans un interview, c'est-à-dire, moi, je kiffe. Et quand je vais regarder un contenu, bah, en vrai, c'est ces contenus-là que je vais regarder, en vrai, tu vois. Il y a aussi un autre truc, c'était de voir quelque chose aussi en français. Ouais. En vrai, il y a aussi, beaucoup... Enfin, ce qu'on kiffe, il y a beaucoup... Ça se fait beaucoup aux États-Unis. En anglophone, déjà, ouais, en anglais, déjà à l'ancienne, il y avait quand même ce délire un peu plus mode là-bas, même sur la sneakers et tout ça. Ouais. Et en vrai, en France, on n'avait rien du tout qui parlait de ça, tu vois, donc... Il y avait aussi ce truc d'avoir un média, enfin... Oui. D'avoir quelque chose en français, tu vois, qui nous parle. Pourquoi il y a eu ce petit... Ah, un média, c'est... On sait pas si on est vraiment un média ou pas, tu vois. Moi, je dis qu'on est un média. Ouais. Mais ils sont pas d'accord. Ah, moi, je sais pas. C'est bizarre. Pourquoi on remplit les cases de médias, mais je pense qu'on c'est est pas... C'est quoi les cases, frérot, hein? Ça suffit. Vas-y, toi, tu nous vois comme un média? Les gars, on peut prendre quelques petites minutes pour discuter, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai envie de savoir si toi, tu nous vois comme un média. Moi, c'est simple, la manière dont vous communiquez, de la manière dont vous opérez, etc., je pense que vous êtes un média. Okay. Mais okay. Je respecte, vous n'êtes pas d'accord. Okay. Mais c'est-à-dire que pour moi, en gros, pour moi, un média, c'est pas nécessairement à l'écrit, c'est pas nécessairement... Formel. Ouais, c'est pas nécessairement formel, etc. Ça peut avoir une ligne édito et vous avez la vôtre qu'on retrouve très peu ailleurs, tu vois. Et la manière dont vous communiquez sur les offres, sur vos posts Insta, sur les concepts vidéo que vous faites, etc., les choses que vous suivez, et notamment un truc bête qui, pour moi, vous met aussi dans la catégorie média, c'est que vous parlez beaucoup d'actualité aussi, et de l'actualité du secteur que vous suivez. Et à mon sens, traiter de l'actualité du secteur que vous suivez et à poser vos avis selon votre ligne édito, c'est ce qui fait pour moi de vous un média. Okay. Moi, j'ai l'impression qu'au bar, les mecs qui sont au bar, ils traitent l'actualité pareil. Ils regardent BFM, et après, ils vont au bar... Et parle de l'actu et ils disent des dingueries. Et pour moi, ça, c'est pas un média. Non, ça s'entend. Et j'ai l'impression que nous, on fait ça avec des caméras. Ok. Ouais, des discussions de. En fait, les discussions que t'as entre potes. De toute façon, les gens, ils ont souvent cette impression quand ils regardent le média. Ils se disent, wesh, mais ils vivent de ça, eux. Genre, parce que c'est bizarre. Mais en vrai, pour moi, notre contenu, c'est ça. C'est plus des mecs qui échangent. Et en vrai, si demain, toi, tu viens dans l'équipe Camino, on va parler plus des trucs que toi t'aimes bien, parce que ça va rajouter un nouveau truc. Et on le sent dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, il y a des nouveaux sujets qu'on va plus traiter, etc. C'est pour ça que l'étiquette média, je sais pas. En vrai, c'est vraiment ça, hein, parce qu'en ce moment, ils aiment trop faire quoi? Genre, on commence à discuter. Attendez, allume la caméra, tout ça. Mais frère, on est en train de discuter normal, viens, on discute un peu. Non, vas-y, on va le parler en live, tout ça. Donc en vrai, c'est vraiment le... Quand on allume la caméra, c'est juste la continuité de la discussion qu'on a eue avant. Ça. Donc, si ça reste aussi naturel, c'est bien aussi, tu vois. Ouais, de fou. Au début, c'était un peu compliqué. Moi, j'avoue, au début, que c'était un petit peu compliqué pour moi de passer à la caméra et de m'exprimer. T'aimais pas? Bah, il y avait toujours ce truc de la caméra qui est en train de te filmer. Et en fait, plus le temps y passe, et tu sens plus. Plus je calcule plus ce truc-là, tu vois. Vraiment. C'est que vraiment, 97e émission, on a 3 caméras ici, je les vois même plus. Ouais. Je sais qu'on est filmé, tu vois, mais je... Chez toi, en vrai. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc, du coup, à quel moment, genre, vous vous êtes posé, tu vois, à partir de ce que tu viens de dire, et vous êtes dit, ok, on va traiter comme ça, on va plutôt être YouTube, c'est la première vidéo, ça va être ça. Ça a fonctionné comment? Et de la réflexion, je pense. Hein. Ouais, ça a mis du temps. Parce que avant de sortir notre première vidéo, on a tourné plein, on s'est entraîné beaucoup pour pouvoir être opérationnel le jour de la sortie. Content, en vrai, en vrai, de base, ce qu'il faut dire, c'est qu'on voulait faire une télévision.
Et que ça tourne 24 sur 24. Ah oui, ah là, c'était vraiment très ambitieux. Continu, ouais. C'était très ambitieux. On s'est rendu compte que c'était compliqué à faire. Et ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait déjà des formats qui avaient été écrits. Ouais. Donc, on avait plusieurs formats. Et on s'est entraîné à tourner ces formats. Donc, puis Monroe a présenté, Elsie aussi, ouais. A présenté les formats. Ça, on a fait plusieurs trainings pendant plusieurs mois. Et après, on a commencé à tourner des trucs. Et sans rien sortir. Et vous avez investi, en tout cas ça, vous avez acheté des caméras, des micros, des trucs le au début, bon c'était quoi coin, le bon coin. Franchement, bon c'était coin, au, bon début, coin, au début, c'était bon ça. C'était genre, en vrai, c'était nos affaires. C'était nos affaires et dès qu'on arrivait à faire un peu d'argent, bah, on rachetait du matos, on rachetait des trucs. Je vois le délire. En vrai, c'est ça. Et on a stocké beaucoup, beaucoup de contenu, vraiment beaucoup de contenu. Trop de trucs qui sont jamais sortis. Ouais, trop de trucs. En vrai, la majorité n'est pas sortie. En vrai. Peut-être maintenant, on commence à rattraper, mais en émission pile YouTube. Il y en a plein qui sont pas sortis, tu vois, la majorité. Il y avait des bons trucs, en vérité. Il y avait des bons trucs. Il y avait des bons sujets, mais on était moins bon que maintenant. Ouais. Moi, je suis partisan quand tu veux faire du contenu, etc. Moi, c'est quelque chose que je répète souvent, je sais pas si vous êtes d'accord, mais et je retrouve dans ce que vous dites. Mais en gros, moi, je pense que quand tu veux te lancer, ça sert à rien de vouloir lancer un truc parfait. Vaut mieux lancer un truc qui... et un minimum abouti, bien sûr, je te dis pas de lancer de la merde, mais de lancer un truc qui est un minimum abouti, mais améliorable avec le temps. Pourquoi ? Parce que si ton truc s'améliore et après, derrière, prend le fil et commence à fonctionner, personne ne se rappellera de tes premières, et au moins, tu ne te seras pas paralysé à ne pas te lancer. Et pour moi, il y a des choses que tu ne peux remarquer et que tu ne peux voir qu'en t'étant lancé. Tu vois, tu ne peux pas tout anticiper avant de voir ce que ça va donner, avant de voir la réaction des gens, avant de voir les trucs. Donc pour moi, c'est très important de le faire une première fois. Et le fait que vous me dites qu'il y a plein de trucs que vous avez fait et que vous n'avez pas lancé, je suis sûr qu'avec le temps, vous vous êtes dit « Putain, c'est ça en vrai ?» En vrai, il y avait un peu de ça. On ne voulait pas arriver de manière bancale. Donc du coup, c'est peut-être ce qui a fait qu'on a mis du temps. Bien sûr. À avoir confiance en ce qu'on faisait, et quand on s'est dit vas-y là c'est bon, on a balancé, tu vois. En vrai, il y a trop de gens aussi qui nous ont fait confiance autour, que ce soit en vrai par exemple, qui nous ont fait confiance ou qui attendaient sans que dans nos familles tout ça, sans que rien ne sorte. Tu peux pas arriver à sortir une vidéo c'est tuba. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, ça veut dire faut un là si on regarde la première vidéo, d'ailleurs on va faire ça en live dans pas longtemps, mais si on regarde les premiers contenus, ouais, bah on était assez fiers pour pouvoir aller dire à la dernière, regarde maman t'a donné le salon, bah regarde ce qu'on a fait, tu vois. Et vas-y, elle peut être fière. Ouais. Tu vois, il fallait ce petit minimum-là, mais sans ça, j'avoue, c'est bizarre. Quand pendant je sais pas combien de temps, on sortait app, on n'allait pas en reçoit, on était dans notre coin à travailler, tout ça, et nos familles, elles nous voyaient, genre entre guillemets, pas gagner d'argent, ou pas gagner d'argent, après gagner très peu d'argent. Ouais. Et elles comprenaient pas, tu vois, parce que c'est pas investir palpable. Investir du temps sur c'est un ça, truc qui a pas l'air d'aboutir. Hein, en plus, tu nous vois pas, ça veut dire que tu peux avoir l'impression qu'en vrai, de vrai, on t'a pas. Ouais. Tu vois. J'avoue, moi j'étais chez ma daronne, je vivais encore chez ma daronne, ça veut dire qu'elle me voyait pas souvent, mais en même temps, je ramenais pas d'argent. Ouais. Donc elle disait le rapport, je vois pas mon fils, il part toute la journée, mais il y a pas de thunes. C'est chelou, tu vois. Pendant un moment, elle me voyait trop souvent, j'étais trop sur Call of. Et d'un coup, d'un seul, tu vois, elle me voit plus, mais en même temps, il n'y a pas de, tu vois, de résultats concrets, en vérité. Ça, c'est donc, ouais, après, ils ont quand même toujours été là. En vrai, j'étais chez elle, nourri, logé, bien. Non, mais c'est bien. C'est ce qui a permis aussi que je prenne ce risque. C'est aujourd'hui, elles sont fières. De fou. Tant mieux. Hein. Adrien n'est toujours pas venu au bureau. Avant qu'on enchaîne un peu sur vos premiers contenus, etc., comment est-ce que derrière vous avez constitué un peu l'équipe et commencé à travailler entre vous ? Genre, vous êtes checké selon vos compétences, selon simplement le fait que vous vous aimez bien ? C'était quoi le bail ? En vrai, il y a beaucoup de contenus qui ont été créés en fonction des trucs qu'on aime bien, tu vois. Mm-hmm. Genre, on avait quand même un délire sur les vêtements, sur les baskets qui étaient poussées avec... en vrai, avec... J'aime bien qu'ils montrent ça. C'est la vidéo que j'ai vue, c'est une de vos premières vidéos. C'est peut-être la deuxième, en vrai. Je crois que c'est la deux ou troisième. C'était Noggins, ancien présentateur de l'SDL. Exactement, le Parc des Princes, passionné de sport et en particulier de foot. Les plans de contexte. Mais en vrai, tu rentres chez toi, tu montres ça à ta daronne. Ça parle d'un sujet, il y a l'info qui arrive, tout ça. Si c'est la télé, elle peut être que fière. Ouais, bien sûr, on est devant le parc. On filme, on est devant le parc. Ouais, de ouf. De toute façon, c'était notre spécialité. Savoir pas être invité, filmé devant. C'était... À cette époque-là, on avait des gros appareils Canon et on avait des perches pour le son, tout ça. Ouais. Ah, c'était une galère, frérot. Comparé à aujourd'hui. On avait quand même essayé de mettre les moyens, vraiment. Mais quand on regarde aujourd'hui le matos qu'on a et ce qu'on avait à l'époque, frérot, moi, ça me. Moi, j'aimais trop. La débrouille, là.
Non, c'était d'art, la débrouille. Ouais, plus non, que ça, d'art. Gros. Et encore aujourd'hui, il y a plein de trucs sur lesquels on fait de la débrouille. Moi, je kiffe de fou. Et donc, du coup, l'équipe, c'est à quel moment vous avez dit, bah tiens, lui peut-être pour le son, ou alors tiens, c'est qui va faire quoi? Lui peut-être au Twitter, lui peut-être à l'idée vidéo, peut-être lui film, c'est quoi le Nous, on réfléchissait pas sur. On réfléchissait pas sur qui va faire quoi, on réfléchissait à ouais, toi t'aimes ça, venez on parle de ça, toi t'aimes ça, venez on parle de ça. Okay. Et en vrai, moi aussi j'aime ça, toi aussi, vas-y on y va, on fait ça, on présente ça. D'accord. En vrai, c'était plus ça, et après pour la partie prod, tout ça, en vrai, on était là, et que ce mot, tout ça. En vrai, il y a quand même des spécificités par personne. Ouais. Genre Monroe, c'est quelqu'un qui est grave dans la mode, tout ça. Ouais, ouais. Donc c'était logique qu'il fasse quelque chose par rapport à ça. Ouais. Moi, on va parler du rap, du coup. Je faisais du rap avant. D'accord. Let's go. Et c'était pareil, j'étais dans la débrouillardise à mort. Je faisais tout moi-même, j'ai acheté tout le matos, genre ordi, tout ça pour enregistrer. J'ai commencé à faire mes instrus parce que j'avais pas d'argent pour payer des gars pour faire des instrus pour moi. Ensuite, je me suis dit, je veux faire des clips. Mais j'avais pas assez d'argent pour payer un gars pour qu'il me fasse des clips. Okay. Je me suis dit, c'est mieux, j'investis dans un appareil. Je commence à filmer, tu vois. Et donc, du coup, j'ai commencé à filmer. Donc, forcément, c'était un peu logique que je sois dans le délire vidéo. Donc, en gros, là, maintenant, je m'occupe de la partie vidéo prod. De Camino. Mm-hmm. Prod, responsable prod. Right. Et ouais, du coup, puis ouais, Vine, tu vois, entertainment, tout ça. Genre présentateur de folie, c'était un peu sa spécificité. Elsie en mode plus prof, knowledge. J'ai envie de dire, knowledge aussi. La minute un peu journaliste, tu vois, qui va chercher les infos un peu partout, tout ça. Donc, traiter des sujets, ouais. C'était un peu aussi ce truc-là. Et puis Sean qui chapeaute un peu tout le truc et qui organise un peu le délire et qui aide aussi chaque partie. En vrai, ce qu'il faut savoir, c'est que genre chaque spécificité, Sean, il a contrôle. C'est un peu le maître du jeu, tu vois. Ouais, je vois. Donc voilà. Non, c'est maître bien. Du jeu, c'est grand stylé comme. T'as dit, je suis meilleur en prod que toi. T'as dit, c'est ça que t'as dit. C'est pas ce que j'ai dit. Et moi, j'ai une anecdote sur ça en rapide. Je vais jamais l'oublier. Parce que j'avais dans un coup, Malik, dédicace à Malik, je fais des bisous. Nous, on aimait bien regarder les vidéos YouTube, etc. Et genre, moi, je m'étais déjà essayé au montage parce qu'il y avait un jeu, j'ai oublié le nom du jeu, où tu pouvais reproduire des films en fait. D'accord. T'allais récupérer des scènes, tu filmais, tu montais, etc. Ah ouais. C'est-à-dire, un jour, j'ai eu l'occasion de faire un montage. Bon, je sais plus quoi avec Sean et ils se sont dit ouais non t'inquiète gros ça va aller occupe-toi des postes, tu fais des postes, ouais t'inquiète des postes mais le montage non du coup, on rappelle même plus de ça, je rester à la prod. regarde j'aime la prod. j'aime la prod. Vous êtes distingué en allant directement sur le terrain et en investissant sur du YouTube etc, au contraire du modèle à l'époque qui était encore la référence, à savoir le site internet, que c'était la référence principale des médias il y a quelques années. Pourquoi ce choix? J'ai pas vraiment le choix. Moi, je dirais plus proche des gens, en vrai. Ouais. Je crois que les réseaux, c'est plus proche que le site internet, tu vois. C'est... Plus proche de votre mentalité, de votre façon de vouloir communiquer, peut-être. Ouais, en vrai, même, ouais, de la commu. C'est-à-dire que la commu, elle commente, tu peux répondre aux commentaires tout de suite. Et que sur un site internet, je sais pas, c'est un peu moins personnel, tu vois. C'est froid. Ouais, c'est plus une vitrine, un peu, tu vois. Ouais. Donc, pour moi, c'est l'axe principal. Ouais, il y a une partie aussi, il faut aller là où les gens ils sont. Ouais, fais un site et tu cries et personne voit le site. Ah ouais. Compliqué. Super. Et en vrai, les gens ils sont sur Insta toute la day, sur Twitter toute la day. Tout à l'heure, t'as dit qu'on était focus YouTube. Au début, en tout cas. Ouais. Des fois, j'ai l'impression qu'on est focus Insta, des fois, j'ai l'impression qu'on est focus Twitter. C'est trop bizarre. C'est bizarre. Et sur vos premières vidéos, le choix un peu d'aller sur du terrain, des trucs comme ça, par exemple, chez Chris, vous disiez que, par exemple, à l'époque, ça se faisait pas encore d'aller directement au rafle, aux événements sur Paris, là où vous croisiez les gens. Genre, t'avais dit une phrase, je crois que c'est toi qui l'as dit, Sean, et la phrase était intéressante, t'avais dit « Ouais, une basket, ça parle pas, par contre, les gens qui vont l'acheter, eux, ils parlent. » C'est vrai. J'avais trouvé ça marrant. C'était quoi un peu ce choix de se dire « Bah tiens, on va aller rencontrer les gens qui vont au drop, les gens qui s'y intéressent, qu'est-ce qu'ils ont à dire, machin, nanan, c'était quoi l'idée ?» En vrai, moi je trouve le milieu de la basket, il est un peu mystifié, tu vois. D'accord. Genre les mecs qui collectionnent des baskets, ils passent pour des teubés un peu. Si tu regardes un peu même dans les conversations, les mecs qui achètent au Russell, on dit ah t'es un pigeon. Les mecs qui trucent, mais en vrai ce qui est intéressant c'est pas forcément le prix auquel t'as acheté, c'est vas-y pourquoi t'as acheté, quel est ton lien avec ce produit, tout ça. C'est comme ça qu'on a fait l'émission LSDLV, on allait chez des collectionneurs et on leur demandait c'est comment, vas-y raconte-nous le lien. Et ils disaient ah j'ai acheté ça parce que ma mère, j'ai acheté ça parce que quand j'étais petit, etc, etc. Et c'était grave intéressant. Et après, quand on a vu qu'il y avait des événements physiques auxquels on pouvait aller, on a été sur le terrain. Parce qu'en vrai, à Paname, il y a tout qui se passe. C'est un truc de ouf. En province, il n'y a rien, mon ref. Et les marques, elles n'ont pas compris que
qu'il y a du... En fait, ce qui parle aux marques, c'est que l'argent. Ouais. Et en vrai, ils n'ont pas compris qu'il y avait du bif à se faire dans les autres villes. Mmh. Et en vrai, comme nous, on trouvait que c'était tuba, on mettait sur YouTube, comme ça, tout le monde voit. Et en vrai, ça devenait un peu un rendez-vous, tu vois. Le délire, ouais, il y a les drops suprêmes, tout le monde vient, tout le monde voit le soir, tout ça. C'était trop cool, tu vois. Il y a un délire aussi de se placer du côté consommateur. Mmh, en vrai, nous, on est des consommateurs, on consomme les produits, on kiffe les produits. Et vas-y, les marques, elles sont beaucoup mises en avant, mais les gens qui achètent, pas forcément. Donc, d'aller les voir, de pouvoir discuter avec eux, de savoir chacun, ouais, toi, pourquoi t'achètes ça, pourquoi tu kiffes ça, c'est trop intéressant. Et puis, il y a ce délire de créer aussi un rendez-vous avec les gens et kiffer, tu vois. Souvent, c'était un délire où, genre, t'as des files d'attente et t'attends dehors pour un produit, tout ça. Genre, de pouvoir aller discuter avec ces gens et de montrer. En vrai, les gens qui sont dans la mode, ils kiffent se montrer un petit peu, tu vois. Ouais. Et d'aller les filmer, tu vois. Au bout d'un moment, ils s'habillaient bien parce qu'ils savaient qu'on débarquait. Bah oui. Et tu vois, et ça faisait des street style, tout ça. Lourd. C'était un bête de délire, tu vois. Puis même d'une certaine manière. Ouais, voilà, les trucs suprêmes. Wesh, le bras, mais c'est quoi ce bras là? Quand je vous disais avant, j'étais balade. Ah ouais. T'es serré, frérot. Non, mais viens là. Je suis désolé, t'étais balèze. Ah, t'étais balèze. T'étais balèze. Sur cette vidéo, on avait acheté un délire, ça s'appelait un Osmo. Au début, je filmais avec des grosses caméras comme ça. Après, on a trouvé ça. J'étais comme si je marchais au milieu de tout le monde. C'était dard. Stabilisé, tout ça. Il voulait plus jamais toucher une caméra. Ils ont filmé des trucs en intérieur. Il disait non, t'inquiète, ça c'est bon, j'ai pas besoin de. C'était n'importe quoi. Mais à quel moment ça a pris un peu ces vidéos, etc. Parce qu'en quelque sorte, ce qui est assez bien en faisant ça, tu sais, aux rafles et tout, aux événements, c'est qu'en filmant des gens, bah eux à un moment ils vous voient aller voir, tu vois, le fait de quand ils sont passés. Et peut-être même le partager à leur peuple. Ah tiens, regarde, tu étais aujourd'hui, machin. C'est à quel moment que ça a pris les premières vidéos, vous dites putain, pas mal. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de synchro. On a commencé avec LSDLV, du coup, c'était très niche. Ouais. On allait faire les sorties suprêmes. C'était aussi niche, mais les deux niches se rejoignaient, tu vois. Du coup, il y a eu cet environnement-là. Plus en parallèle, on commençait à s'exprimer sur les réseaux. Surtout Twitter, il me semble. Ouais. Où on parlait des sorties de vêtements. Ouais. On relayait les sorties de vêtements. Du coup, une autre niche. Il y a aussi le Sticker Event où on était présents. C'est vrai, on avait ça. Ouais, c'est vrai, gros. Et surtout le premier où on a parlé. On est parti dans un Sticker Event pour parler de la chaîne. Ouais. Il y avait zéro vidéo en ligne. Sortie, ouais. On n'existait pas encore. Le goal, c'était C'était d'avoir 1000 abonnés en un jour sur Facebook. Ouais. C'était notre but. Gros, on a eu une passe incroyable de Ben. Ouais. Ben Koshi. Il nous a fait une passe. En gros, on était parti filmer un LSDLV avec un mec de Ben qui s'appelle. Wesh. Remplacement en approche. Il y a quelqu'un qui a envie de venir là. Il y a quelqu'un qui faites le remplacement quand vous voulez. Il y a pas de problème. Je vais lui laisser la place, c'est noir. Il y a pas de souci. Je finis juste sur la passe. Ouais, vas-y. On avait fait un LSDLV avec un pote de Ben qui s'appelle Nono. D'accord. Un gars sûr. Ouais. Et en vrai, il nous expliquait nous on organise le sneaker event, tout ça. Nous on était parti à un premier sneaker event qui était au quartier général. Ouais, c'est ça. Voilà. On avait oublié d'allumer le micro, je m'en rappelle. On avait oublié d'allumer le micro et. Il a mis ses lunettes de soleil. Premier changement, les amis. Tenez, passez derrière moi, vous pouvez. On est bien ici. Petite température tempérée, tout ça. Viens t'installer, mon ami. Allez, viens donc. Premier changement de la journée, il n'y a pas de soucis. Je finis cette anecdote. Vas-y, tu peux finir. J'étais en train de parler de Ben. Et en vrai, on avait été à un de ces événements. On avait oublié d'allumer le micro, tout ça. Et après, on lui a dit, on a une émission. Enfin, il connaissait l'émission LSDLV. On lui a dit, on aimerait bien la présenter au Sneaker Event. C'est comment pour avoir un espace, tu vois. Et il nous a dit, vas-y, moi, je prends pas votre argent. Venez, c'est d'art. Ça veut dire on était à l'endroit en France où il y a le plus de mecs qui kiffent les baskets, frère. Ouais. Moi, je me souviendrai toujours de cette passe, frère. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Et ça veut dire on était là, on faisait comme les rabatteurs à Châteaudou pour les coiffeurs. On était en équipe. On allait voir les gars, on disait émission, collectionneur de baskets. On avait des t-shirts Camino Télévision. Télévision. Et en un jour, on a eu 1000 abonnés sur Facebook. Ouais. On a réussi. Et vous en avez ressenti l'impact? Franchement, on a ressenti l'impact, frère, parce que c'était le seul endroit où tu pouvais parler aux mecs qui aiment les baskets, frère. C'était une dinguerie, gros. Et déjà, l'événement, c'était une dinguerie. Shout out à Ben pour avoir créé ça, frérot. C'est une dinguerie, gros. Et après, sur YouTube, j'avoue que les drops suprêmes, ça nous a beaucoup aidé aussi. Mm-hmm. Parce qu'en vrai, ce qu'il faut savoir, c'était que le shop, il venait d'ouvrir à Paris. Ouais. Et c'était quand même un événement. Et quand on y allait le matin, il y avait je sais pas combien de personnes qui allaient, tu vois. Et du coup, à force de nous voir et... En vrai, c'était un rendez-vous où on était là tous les jeudis. Actuel. On était avec eux, tu vois. C'est vraiment... Et en plus, on était vraiment avec eux. Parce que moi, je m'embrouillais avec les gars qui attendaient leurs pièces.
Parce qu'il y avait des vigiles, je m'embrouillais avec eux, je me disais non, c'est trop frérot, c'est pas comme ça que ça va se passer, tout ça. Et bref, on était vraiment de ce côté-là et les gars, ils ont kiffé. On a fait ce rendez-vous tous les jeudis pendant un an, je pense. Ouais. Et frère, c'était trop lourd, c'était trop lourd. On a développé, je pense que la communauté, elle a commencé à se développer à ce moment-là. Ouais, même en plus, en vrai, il y a plein de gens qui connaissaient pas, qui voyaient les vidéos et qui après y allaient, tu vois. C'est ouf. Mais j'avoue, j'ai pas l'impression que moi, il y a eu de moments. Où ça a pris. Non, ça a été constant. Ouais, j'ai l'impression que ça a été constant, depuis, ouais. Là, ouais, okay. Depuis, c'est toujours pareil. Ouais. Il n'y a pas eu de gros pic. Tu vois un pic, toi ? Approche-toi du micro en si vrai, tu veux en parler. En vrai, j'ai eu l'impression que. Déjà, bonjour à tous. Bonjour. Faudra que tu parles de ton parcours après. Parce que ouais, pas je là raconterai au début. D'ailleurs, j'ai des anecdotes qui m'ont été remémorées. Je veux faire une parenthèse. Chasseur, il bosse chez Webedia maintenant. Ah ouais. Il a pris le contrôle de la régie. Okay. C'est lui qui balance les contextes, tout okay. ça. Quel roi. Il a été bien formé, je suis fier de lui, Chasseur. J'aime bien ça. Ouais, non, moi j'ai l'impression que quand on a fait le sneaker event au Louvre, ouais, ça a mis un boost. Ça, ouais, on ça est rentré dans chose. Une nouvelle dimension. Ok. Où genre tu sais les. J'ai eu l'impression que les marques ont commencé vraiment à nous prendre genre un peu plus au sérieux. Et genre, même en vrai, les acteurs du mouvement, tu vois. Genre, ils ont vu ce qu'on était capable de faire et là, ils se sont dit, ouais. Ouais, ils sont en place, tu vois. J'aime bien que tu dises ça parce que du coup, moi, j'avais un petit développement derrière. À partir de quand tout ceci, donc quand vous avez commencé en 2016, 2017, etc., a commencé un peu à se professionnaliser, donc à savoir pouvoir un peu en vivre, investir, recevoir peut-être des vêtements, des sneakers, des invitations. C'est à partir de quel moment que ça s'est fait et surtout comment ça s'est fait? Est-ce que la première paire qu'on a reçue, c'est pas la Gundam? Non. Non, on l'a acheté. La Gundam. Une des premières qu'on a reçues, c'est la Reebok Future. Ah oui, c'est vrai. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Franchement, ça a mis du temps. En fait, on vivait jusqu'à très tard, on vivait pas du tout. D'accord. Des marques, frérot. Ah ouais, non, zéro. Ouais, pas du tout. Et même là, frérot, en vrai de même là. Non, et par manque de considération ou parce que vous prenez pas au sérieux? Parce que par exemple, il a dit prendre au sérieux après le sneaker event du Louvre, c'était quoi un peu l'idée? Regarde, moi je te dis, il y a des mecs de marque qui. Tous les mecs de marque ne calculaient pas. D'accord. Et franchement, moi j'ai une règle, je prospecte tous les lundis, tous les jeudis. Ça veut dire. J'envoie des rafles de mails, frérot. J'envoie. Avec des présentations, ouais, des stats, avec des tout, trucs. Frérot. Et depuis le début, même pour aller recruter des mecs pour passer dans les émissions, genre LSDLV, on avait un mail bien fait en HTML, c'est tout ça carré, tu vois. Un truc pour que ça fasse pro, en vrai, pour que les mecs ils te fassent confiance, parce que tu vas chez eux, tu vois. C'est-à-dire, t'as besoin de montrer pas de blanche, tu vois. C'est vrai. Et en vrai, les marques, on essayait tout ça, ils nous jetaient en l'air, ils nous calculaient pas. Et même quand il y en avait qui nous calculaient et qui faisaient le déplacement, ils disaient des dingueries sur nous. Rappelez-vous le mec de la marque qui a dit, ouais. En vrai, on dirait des singes comme ça en vidéo, hein. Vous sautez dans tous les sens, mais en vrai, au final, vous travaillez. Tu te rappelles de ça, frérot? C'est attends, mais c'est très très méprisant. Réel, frérot. Dans nos propres bureaux. Hein. Dans nos propres bureaux, frérot. Il y a eu un silence. Il y a eu un silence. Il y a eu un silence, gros. Non, mais tu sais que tu. J'ai eu du recul. En vrai, il y a des vrais bails. Hein. Des vrais trucs comme ça. Et en vrai, c'est des mecs qui nous parlaient, par exemple, d'autres médias. Ils nous disaient, ouais, vous, ce que vous faites, c'est nul. Regardez ce média-là, nanana. C'est des médias qui n'existent même pas aujourd'hui. Et c'est que des trucs comme ça. Ils nous prenaient pas au sérieux, ils nous prenaient pas au sérieux. Ils n'ont pas anticipé le changement, un peu. Ouais, ou sinon, ils sont pas. En vrai, ils prennent pas d'initiative. Ça veut dire que quand nous, on arrivait avec notre délire qui est peut-être pas perçu comme un média, ça veut dire, tu vois, des mecs donner vraiment leur avis sur des produits. Ouais. Tu vois, même encore aujourd'hui, on travaille avec des marques. Des fois, on travaille sur un truc, ils pensent parce qu'ils te payent, tu dois mentir. Mais ça va jamais arriver. C'est mort. Tu vas envoyer un produit, on va toujours dire la vérité, on va toujours dire ce qu'on pense. D'ailleurs, je me souviens, un des premiers unboxings qu'on a fait, c'était une ASICS. Ouais. Et c'était une marque qui nous l'avait envoyé genre pour qu'on en parle et tout. Et je crois que c'est une des pires notes qu'on a données. Gros, je crois que même pas ils nous avaient envoyé. Si. Non, c'est le retailer. On l'avait, on l'avait reçu par quelqu'un. Et après, ils se sont réveillés une semaine après parce qu'on a tué la paire. Et ils nous ont envoyé un mail, enlever la vidéo ou un bail comme ça. Et ça, c'est des mecs à qui j'avais envoyé des 70 mails. Ils répondaient pas. Et en vrai, un retailer nous a envoyé la paire. Nous, on a reçu la paire. On a dit, c'est Tuba. On a dit la paire, elle était Tuba. On a mis deux ou un truc comme ça. Mais on a quand même essayé de la mettre en situation. On a quand même fait un freestyle, tout ça. On a mis toutes les conditions. C'est ça. Vous avez essayé de faire le truc droit. Ouais, on a fait le truc droit. On fait toujours. Et après, on a reçu un mail de la marque en question qui nous a dit vous pouvez enlever ça parce que quand on tape le nom de la paire, le premier truc sur lequel on tombe, c'est votre vidéo. Tu vois. Après, c'était sur Google et sur YouTube. C'est-à-dire, je tapais la référence. C'est trop drôle. Sur ça, ils nous ont dit ouais, vous pouvez en modifier et venez, on se voit.
Et ça veut dire on s'est vu et de là on a réussi à taffer avec eux et en vrai c'était plus cool tu vois. Vous avez gardé la vidéo? Ouais, elle est toujours en ligne, je crois. Vous les avez vus, mais vous n'avez pas baissé le front, c'est bien. Mais pour moi, tu peux pas, parce que sinon, les mecs qui te regardent te font plus confiance, mon ref. Bah oui. Ils te font plus confiance. D'accord. S'il y a un truc et tu bats, on va toujours dire que c'est tu bats, mon ref. C'est bien. Et encore aujourd'hui, après, les gens, genre au début, on donnait des avis et c'était des fois très négatif. Mais encore aujourd'hui, on le fait. Mais on le fait peut-être un peu moins. Parce qu'on essaye de faire un maximum de trucs qui nous font kiffer. Bah ouais, mon ref. En vrai. Donc, ça peut paraître. On peut paraître moins violent sur les contenus. T'étais pas là au live de ce matin, toi, je crois. J'étais là au live de ce matin. Non, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple. Vu que vous avez l'air peut-être un peu plus sympa, les gens vont se dire Ah, tu vois, ils peuvent dire que vous faites juste ce que vous En vrai, non. Parce que même sur certains contenus qu'on a fait dernièrement, tu vois, pour des marques, genre, on avait des retours. Ouais, ce serait bien que vous enleviez cette partie-là. Mais frérot, moi, je disais, cette partie-là, elle va jamais bouger, gros. Et ça revenait, ça repartait, ça revenait, ça repartait. Au final, c'est sorti avec le bout que vous voulez qu'on enlève. Et on fera jamais, tu vois. Vous n'êtes pas conscient au bout d'un moment. En vrai, c'est un truc, et on les prévient souvent dès le début, tu vois. On leur dit, nous, on va donner notre avis. Toujours. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, ça va être dedans. En vrai, pour nous, le plus important, c'est les gens qui regardent. Et on n'a pas envie de carotte ces gens-là, en vérité. Et en vrai, il y a une réalité, hein, quand t'es 6, 7, 8, 9 dans un gros, c'est impossible que tout le monde aime le produit. Mmh. Ça arrive une fois sur 10. Et encore, je suis gentil, tu vois. Ouais, une fois sur 100. C'est vrai, parce que moi, quand je regarde vos vidéos, c'est vrai que je suis fasciné comment sur un même truc, il y en a un de vous qui va dire que c'est de la frappe et l'autre qui va dire que c'est de la merde. Non, mais vrai ou pas ? Sur un même produit, il n'y a pas d'uniformité sur les avis de tous. Ah non, c'est impossible. Mais on n'est pas les mêmes, en vrai. On n'est pas les mêmes. Et en vrai, les gens dans l'audience non plus. C'est-à-dire, si tu fais ça, tu vas les prendre pour des cons. Et pour moi, les mecs sur Internet, ils sont abreuvés de contenu dans tous les sens. C'est vrai. Ça veut dire, s'ils peuvent pas établir une relation de confiance avec toi, ils vont pas être là demain. Ouais, la culture de la notif et tout, tu vois, de toutes ces choses qui sont constamment envoyées vers toi et tout, c'est vrai que t'es constamment abreuvé du contenu et tout. Et s'il y a pas ce petit lien qui te fait garder, comme tu dis, la confiance avec les gens, c'est un peu plus difficile de paraître authentique et de garder ces derniers. Et même en vrai, quand t'es avec tes potes et que t'as une discussion et que vous êtes pas d'accord, frérot, jamais à la fin tu te dis ouais, bon, ok, vas-y, ça se bat jusqu'à la mort, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Et à la fin, tout le monde repart fâché parce que tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et c'est comme ça que ça se passe. Tu sais, des fois, même en soirée quoi, avec des potes, des fois ça parle de sujets et ça va parler jusqu'à 6 heures. Non, j'aime bien. Et donc, du coup, vous m'avez parlé du côté super, du côté marque, recevoir des vêtements, etc. Vous, en termes de vos contenus purement, à partir de quel moment ça s'est professionnalisé? Ça vous a permis d'investir, de prendre des bureaux, de pouvoir peut-être payer certains, vous payer vous-même et tout? C'est quand, sachant que vous êtes lancé en 2016, c'est à partir de quand à peu près que le virage a eu lieu, que vous avez dit, oh, bah, tiens, on peut. Franchement, on a commencé à travailler en 2013. Ok. Ouais. Ça fait, je sais pas, 8 ans, 2 ans. Et en vrai, ça fait pas longtemps. Un an et demi, 2 ans ? Non, depuis qu'on a. Enfin, non. Ça fait 4 ans peut-être qu'on travaille tous là. D'accord. Ah ouais. Ouais. Qu'on se paye. 4 ans, ça fait 2017. Ouais. 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 Ouais, je pense. On gagnait de l'argent en faisant d'autres trucs à côté, tu vois. Ok. En fait, nous, notre délire, c'était. Eh, demain, s'il y a un mariage. On va aller, on va filmer, ça va faire 1000 euros, on va le mettre dans le pot, truc, on se paye, tout ça. Okay. En vrai, tous les moyens étaient bons pour gagner de l'argent. D'accord. En vrai, même avant de se payer, on a utilisé l'argent qu'on a récupéré pour réinvestir, pouvoir s'améliorer techniquement. Bah, matos, ouais. Donc, c'est pour ça que ça a mis un peu de temps. Bah oui, logique. Qu'on se paye. Logique. Ouais, je pense qu'il y a eu 4 ans, peut-être 4-5 ans où ça rentrait pas. Hein. Ah, ça rentrait pas. Et il fallait tenir le coup parce qu'en vrai, c'est un risque qu'on prenait, mais on croyait tellement au truc, je pense que c'est pour ça qu'on est encore là aujourd'hui, tu vois. Et en vérité, c'était pas très grave que ça paye pas parce qu'on était entre potes et on kiffait. Ah, et tu vois, il y a ce truc-là aussi. Fait que tout seul, chacun tout seul, indépendamment, je sais pas si on aurait réussi vraiment à faire ce qu'on fait là maintenant. Je me souviens d'un truc aussi qu'on avait fait pour gagner de l'argent. Vous vous rappelez qu'on est parti filmer la cérémonie Rebeu? La tête, Là, on a du croquant. Pour pif, frère. On avait mangé un poulet aux olives à la fin. C'est bon, le poulet aux olives. Tu te rappelles? Moi, j'étais pas là, moi. Je crois que c'était une zine. T'étais pas là, toi? Je crois que c'était une zine. Ouais, la vidéo. Pidic, la vidéo est jamais sortie. C'est bien dommage parce que les gens ont raté un vrai truc. Ah ouais. Eh, jusqu'à... Pi nous appelle. Attends, c'est quoi, vas-y, mettez-nous le contexte, expliquez. En gros, Pi nous appelle, il nous dit, ouais, il y a Mazinkou qui organise un mariage rebeu, tout ça, on a besoin de faire une vidéo, tu vois. L'événement. Donc,
Sean, il dit, vas-y, let's go, on prend le matos, tout, on va tout, on va tout. Je sais plus qui était là exactement. Moi, j'étais là, moi. Moi, j'étais là. Je me permets, ces vidéos pour la, elle ouais, ouais, pour, ouais, 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 pour elle. En fait, on faisait des vidéos pour des institutions, des clients, des trucs tout le temps, tu vois. On arrive sur place, tout ça, le mariage se passe, tout, on commence à manger. D'un coup, on me dit, gros, enfile ça, tu vas... C'est ça que j'allais dire, c'est ça que j'allais dire, frérot. Il a mis une djellaba là-bas, frérot. Il a porté le mariage comme ça, Je me permets, pour ceux qui nous regardent, dans les mariages rebeux, la mariée est souvent mise dans une sorte de truc, et il y a quatre porteurs. Et tu fais un porteur. Le gars aussi, gros. Il était porteur. Il a fait porteur, Dis-moi aussi, il a fait porteur. Du coup, j'étais déjà gros à l'époque, donc j'avais une djellaba là-bas qui était trop petite. J'étais comme ça sur scène. Et voilà, ça a été filmé, et heureusement, c'est pas sorti. Mais c'était grave marrant. Moi, j'aimerais bien que ça sorte. Il y a un autre truc. La fois, on est parti filmer un truc pour. Il y avait Yannick Noah, on avait des polos roses. On avait des polos roses, on est parti pour filmer un truc. On est parti filmer un événement de golf. Nous, il y avait plusieurs sportifs invités. Ouais, ouais. Ça. On avait loué une caméra et tout. Vous avez fait trop de trucs, les frères. On a loué une caméra parce qu'on nous a dit. Ouais si vous... Nous, on était sûr, on pouvait filmer avec nos boîtiers qu'on avait, tu vois. Ouais. Ils nous ont dit, ouais, non, les prérogatives, c'est ça, ça, ça. Et nous, comme on voulait pas rater une opportunité à l'ancienne, on s'est dit, vas-y, on va aller louer une caméra. On avait loué une espèce de caméra qui était éclatée au sol, d'ailleurs. Ouais. Et on avait été filmé, tout ça. Il y avait Yannick Noah. Il y avait plusieurs sportifs un peu connus, tout ça. C'était une Ouais. J'aime bien. Pareil. Ah hein. Ouais. Vous vous rappelez pas quand, la fois où on a fait la vidéo pour. On nous avait plugué pour Vivienne Westwood. Ouais, aussi. Oh. Et il y avait celle-ci. Et juste avant de faire la vidéo de Vivienne Westwood, on nous avait appelé les mêmes personnes pour arrêter les rues à Paname. Et en gros, ils filmaient les monuments. Et en fait, nous, on faisait la sécu. Et ça fait qu'on disait aux voitures, ouais, passez pas. Et puis, il a fait une dingue. Et puis, il était comme as au milieu de la route. Et il voyait que les gens s'arrêtaient pas. Et au bout d'un moment, il faisait... J'arrive à parler à quelqu'un. C'était un cup ou un je sais pas quoi. Et les voitures, elles s'arrêtaient. Et en vrai, on pouvait laisser la caméra pour filmer longtemps, tout ça. Il était genre peut-être 6h du mat, un truc comme ça. Les gens allaient au taf et vous étiez là comme ça. Et ça, c'est des exemples de tous les trucs qu'on faisait pour réussir, facturer et après se dire, ouais, on a un peu de cash et après, on va aller faire des trucs, tu vois. Ah, c'est marrant. Je savais pas que vous avez fait des trucs en marque blanche pour... De fou. Putain, Polo Rose. Et on s'est filmé dans la voiture, dans la voiture, la golfette. C'est bien. Ah ouais. Maintenant que vous avez, que ça fait 5 ans que vous faites des vidéos, etc. C'est quoi votre avis justement sur le monde du média un peu streetwear, rap, etc. Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des fois des connexions? Ou est-ce que c'est un peu la compétition? Comment que ça fonctionne, d'après vous, votre point de vue? Entre tous les médias de ce genre? Ouais. Qui traitent à peu près de ce que vous traitez. Comment ça fonctionne? Oh, prenez votre temps, les gars, y a pas de souci. Hein. D'ailleurs, je me permets de dire, vous êtes plus de 1000 viewers depuis tout à l'heure, c'est excellent. Oh, ça fait très plaisir. J'espère que vous passez un bon moment dans le chat. Nous sommes en live, donc c'est très cool. Elsie. Ouais, j'avoue, Elsie va se présenter le temps qu'il réfléchit. Bonjour à tous. Elsie, originaire du 78, mais loin dans le 78. Genre vers les Mureaux, tout ça. D'accord. Petit à petit, j'ai essayé de gratter, tu vois, je me suis rapproché petit à petit de... Kilomètre par kilomètre. Ouais, jusqu'à Carrière, et là où j'ai retrouvé Sean, mon cousin qui habitait là-bas, qui était pote en fait avec eux. Faut savoir qu'avant, je traînais pas du tout, je sortais pas du tout. J'étais genre un espèce de boug qui restait dans sa chambre tout le week-end à jouer à la console, tout ça. Et petit à petit, j'ai commencé à traîner avec eux et à sortir et tout. Et... pendant longtemps, Sean, il venait les week-ends jouer à PES chez WOM. Parce que j'avais PES sur ordi. Les bonnes références. Que je patchais de ouf. Genre, j'avais la BO avec This Is La Peste, la musique de la Ligue des Champions, etc. etc. Genre, oui. On passait des week-ends comme ça, c'est tout. Et puis voilà, après, j'ai fait plein de trucs, j'ai tenté plein de choses. Ma mère, elle m'a plugué pour taffer dans un hôpital psychiatrique. J'ai taffé avec mon daron dans son garage. J'ai fait quoi d'autre encore? J'ai fait de la cuisine aussi pendant un temps, en apprentissage. T'étais doué ou pas? Bah, gros. C'est référence gâteau. Il fait des gâteaux incroyables. Frérot, la dernière fois, il a fait une lasagne aux 3 fromages ou 4 fromages, frérot. C'était incroyable. C'est que je voulais pas aller dans la facilité, la carrure égale la cuisine. Trop fort. À un moment donné. Et du coup, ouais, j'ai fait de la cuisine. Ouais. Informatique aussi un peu. Après, je me suis lancé dans l'informatique. J'ai fait une équivalence de technicien d'assistance informatique.
Et d'ailleurs, on avait un pote. Et en vrai, on était dans la ville, on était les deux seuls qui réparaient des ordi. Ça veut dire soit ils allaient chez LC, soit ils venaient chez moi. Et on a un ref, il nous a fait une dinguerie, gros. En fait, on a un pote qui devait partir à l'étranger et il devait vendre un ordi. Et du coup, il a été chercher des pièces chez Sean. Il me les a fait monter et après il a vendu l'ordi et il s'est barré en vacances. Oh le bâtard. C'est horrible. C'est horrible. C'est n'importe quoi. Mais c'est grave notre frère, ça veut dire ouais, ça fait une bonne histoire. Et ouais, j'ai fait technicien d'assistance informatique et après j'ai commencé à taffer à mon compte. Mais je taffais vraiment genre en mode, tu sais, j'ai besoin de mettre de l'essence pour sortir un peu. Du coup, je vais trouver une presta à faire. Genre, c'était... Au jour le jour. Pas sérieux, tu vois. Ah, au jour le jour. Pas sérieux du tout. Puis après on a commencé à grave traîner ensemble, on est parti à New York. Je vous la fais rapide hein, parce qu'il y a plein de trucs. Non, mais tranquille gros, il y a pas de... J'ai oublié d'ailleurs. Avant qu'on parte à New York, je me souviens d'un truc, c'est que une des premières fois où tu parles, je crois peut-être après New York. Ouais. Une des premières fois où tu parles de Camino à Cusmo, c'était chez un gars à nous à l'époque qui fait plus partie de l'aventure, tu vois. Mmh. Et en fait ce gars-là, il avait des problèmes intestinaux. Et il m'énervait, et vieux, frère. Et en fait, il faisait que de lâcher des questions. Je crois que c'était la première fois. Et c'est la première fois que je le voyais, frère. La première fois que Cusmo le voyait. Ouais. Et on s'est dit, ouais, Cusmo va jamais revenir. Le gars faisait que de têche. Ouais, toute la soirée, frérot. Il arrêtait pas de têche tout le temps. Et moi, je leur disais, je dis, d'arrêter, tout ça, c'est abusé. Et eux, ils disent, non, il est comme ça, faut le laisser tout ça, ça m'en dérange. Une des premières fois où Cusmo était là, on voyait sur son visage qu'il avait le seum, mais comme il connaissait pas le bug, il pouvait rien lui dire. Bah oui, il est chez lui. Tranquille, ouais. Et franchement, c'était grave marrant. Ça me fume. Et voilà. Hein. Ouais, merci pour cette petite présentation concise, j'aime bien. J'espère que ça vous a donné le temps de réfléchir, je vais répéter la question. Ouais. Maintenant que vous avez 5 ans, enfin ça fait 5 ans que vous faites des vidéos, etc. C'est quoi un peu votre avis sur le monde actuel en 2021, du média un peu streetwear, rap, tu vois, des choses qui sont un peu dans votre carcan? Comment est-ce que ça fonctionne un peu ce monde d'après vous? Est-ce qu'il y a des connexions qui se font entre médias de temps en temps, par exemple des passes-dés pour j'en sais rien, un artiste, un événement, un truc ou quoi? Ou alors est-ce que c'est que de la compétition et dans ce cas-là c'est pas terrible? Tu mets qui dans la case média? Parce que moi j'ai l'impression que... Enfin, tu mets qui dans la case média? Si tu mets genre les Balou, Chris, tout ça... C'est simple. Moi, je mets tout ce qui traite et qui parle d'actu, comme je vous ai dit, okay. de tout ce que je viens de citer, ouais, streetwear, rap, etc. Okay. Donc tu peux parler d'un YouTuber, tu peux parler d'un magazine, tu peux parler d'une chaîne, d'un média, tu peux parler de plein de trucs. Ok. En vrai, si c'est ça, si tu mets tout le monde dedans, en vrai, ça nous arrive souvent de faire des OP pour des marques, tout ça. D'accord. C'est-à-dire, en vrai, dès qu'on peut faire graille, mettre d'autres médias sur des OP et de leur permettre de facturer tout ça, on le fait à 200%. Ok. Donc, ouais, mais j'avoue que d'autres gros médias, moi, il y a plein de médias avec qui j'ai jamais parlé. En vrai, ouais. si on parle de notre côté... Ouais, de votre côté. Nous, on a toujours été dans cet esprit de... Genre d'être soudé avec les gens qui font plus ou moins la même chose que nous. D'accord. Et de parler de tout ce qu'on voit, tu vois. Ok. Même si ça peut être... En vrai, on voit pas vraiment... Il y a peu de personnes ou de médias qu'on voit comme des concurrents. Ok. Nous, il y a un truc, c'est peut-être con, mais tu vois, on disait un truc avant, c'est « with the movement ». Et en vrai, si on est le mouvement et qu'on parle tous de la même chose, c'est mieux, on s'entraide. On a toujours été dans cet esprit de partage, tout ça. Tirer tout le monde vers le haut ? Bah ouais. Ah, bien sûr. En vrai, moi, je pense qu'il n'y a que comme ça que vraiment, on peut faire bouger les choses, tu vois. Ah ouais. C'est pas qu'une personne. En vrai, si tu commences à mettre des bâtons dans les roues entre personnes qui font la même chose... Bah, le mouvement, il peut pas avancer correctement. Tu vois. Pour moi, il faut être soudé dans ce délire-là. Et c'est comme avec une bande de potes. Tu vois. Si vous commencez à faire des dingueries, tout ça, machin, il y a un moment, ça va éclater. Tu vois, ah ouais. Et ça va pas aller vers le haut. Et du coup, moi, je pense, ouais, on a toujours été dans ce délire-là de genre partager les trucs. Quand il y avait des bons trucs qui se faisaient, on en parlait, etc. Tu vois. Et c'est un truc qu'on changera pas. Et même, il y a des gens qui ont pu nous attaquer, etc. Et on continue à partager, en vrai. Ah ouais? C'est pas grave. Nous, on est dans un délire positif. En vrai, il y a un truc de karma aussi. On est grave dans cette énergie positive. Et on se dit que, frère, ça sert à rien d'être négatif ou de boycotter les gens. En vrai, si on fait les trucs bien, et ben... Il y en a beaucoup qui ont pas de mental. Hein. Ouais, c'est dommage. En vrai, c'est dommage. Moi, je pense qu'on devrait tous être soudés. Et tu vois, dans le Peura, c'est un peu la même chose. Tu vois, quand tu vois les artistes qui se mettent un peu des bâtons dans les roues. En vrai, il y a un vrai exemple de ça. C'est Jules dernièrement. Jules, il fait des vrais trucs. Et en fait, ça se ressent et ça fait avancer le mouvement de ouf. Tu vois les derniers rassemblements qu'il a fait, etc. C'est dingue. Ça, incroyable. Je trouve ça incroyable. Et en vrai, ça devrait se faire dans tous les milieux. De ce genre de trucs, tu vois. Je vois.
T'en penses quoi, toi, Monroe? Enfin, ouais, il a tout dit. Il a tout dit. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Comme il a dit, nous, on n'en veut à personne, tu vois. Nous, on avance, on parle de ce qu'on kiffe. Si tu kiffes la même chose que nous, bah, viens, tu vois. Si, y a, par exemple, il y a des sujets qu'on aborde en live ou qu'on veut aborder en contenu, si on voit que la personne, elle est plus pertinente ou juste c'est un sujet qui le fait kiffer, on va l'inviter, tu vois. Je vois. C'est vraiment notre mentalité, tu vois. Nous, ouais, c'est bien. Avant le coco, on était dans une dynamique où tout le temps, on faisait des vidéos tous les jours. Et on ramenait tous les gens qu'on aimait, avec qui on aimait bien faire des contenus. C'est-à-dire, on a eu plein de gens d'autres médias, tout ça. C'était lourd, gros. C'était et là, maintenant, on a la matinale avec le truc où on essaie de faire la même chose, frérot. Mañana. Camino Mañana. Vas-y, bah, présentez-nous. Il y a un 9-4. Ouais. Quoi ? Petit changement ? Non, il n'y a pas de changement. Non ? Ok, il n'y a pas de changement. Ouais, avec lequel on est à l'aise pour inviter tout le monde, frérot. C'est-à-dire, c'est d'art. Mais j'avoue qu'en y réfléchissant, je repense à l'ancienne. Et en vrai, à l'ancienne, quand on a lancé Camino, ouais. En vrai, l'inverse, frérot. Faut que je sois honnête. Quand on a lancé Camino, j'ai envoyé des mails à tous les médias qui sont dans la sneakers, tu vois. Ouais. Et en vrai, ils nous ont tous jetés en l'air. Ouais. Ouais, non, je partage pas parce que je veux pas mélanger avec un tel. Ouais, non, je veux pas ça parce que je veux pas, blablabla. Bla, 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 bla. Et en vrai, c'est nul. En vrai, c'est nul. En vrai, il y en a plein qui le regrettent maintenant, avec qu'on a croisé depuis, tu vois. Mmh. En soi, il y en a plein qui le regrettent. Et puis, je sais pas si on leur a fait peur au bout d'un moment, mais je pense qu'il y avait de ça. Ils nous ont peut-être vus comme des concurrents. Ils ont eu peur de ça. Et je pense qu'ils ont pas fait la bonne. Ouais. Enfin, ils ont pas fait le bon choix. En vrai, je pense que vaut mieux nous avoir comme des alliés plutôt que comme des. Tu vois. Ouais. Même si on reste peace et qu'on va pas faire de guerre. Ah, c'est ce que t'as dit en plus. Ouais, les gens, ils font la guerre tout seuls. Nous, on est toujours dans ce délire. Piste, tu vois. Et la manière dont maintenant est traité un petit peu tout ça, donc c'est-à-dire l'information, ce qui se passe, les analyses, des fois des contenus comme vous, plus à la cool où tout le monde vient, donne son avis par rapport à par exemple il y a 10 ans où c'était un peu plus formel, un peu plus papier, un peu plus écrit, un peu moins peut-être authentique, un peu plus code télé. Vous en pensez quoi de cette évolution maintenant ? Est-ce que vous pensez que ça a permis d'ouvrir le truc à plein de monde et donc du coup d'avoir plein de points de vue différents qui peuvent se mêler alors qu'avant il y avait des barrières à l'entrée qui étaient grosses donc du coup c'était plus difficile et on entendait peut-être toujours un peu les mêmes choses ou en tout cas moins de gens parler? Ou alors est-ce que vous trouvez qu'il y a également un côté néfaste au fait que ce soit devenu comme ça l'est maintenant? T'as pointé un truc très intéressant parce qu'il y a un truc qui nous rassemble tous ici, c'est qu'on trouve vraiment les formats télé éclatés au sol. C'est-à-dire que le fait que les gens soient un peu plus à l'aise, que la manière dont nous on s'exprime, on présente les trucs, ça soit démocratisé plus ou moins, tu vois. C'est cool. Parce qu'en vrai, y avait une espèce de barrière un peu avant, pardon. Ouais. Et là, elle n'est plus là, donc moi, ça m'arrange. Enfin, ça nous arrange tous, je pense. Et plus on est en équipe, plus je me sens bien. C'est noir. Je suis content que ce soit. Avant, je voulais venir à plus, mais il faut rester avec Pizza aussi. Merci, chasse, mon bébé. C'est dard. Ouais, moi, je trouve que, en vrai, c'est cool la manière dont les choses ont évolué. Parce que. Du coup, la télé, ça existe presque plus pour notre génération et pour notre communauté, en vérité. Ouais. Et en vrai, ils servent de nos codes, mais pas de la bonne manière. Yes, et genre, moi, je suis de plus en plus content de voir des gens qui peuvent s'exprimer. Non, j'ai une bête d'anecdote. Qui peuvent s'exprimer et de manière simple, tu vois, sans être trop cadré, etc. Sans qu'il y ait un investisseur qui vienne et qui a payé. Ouais. Et tu sais qu'il fait ça. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Dire, et la diversité, c'est une bonne chose, en vérité. Je trouve que c'est bien de pouvoir avoir le choix de voir, de regarder ce que tu veux voir et de la manière dont tu veux qu'on te parle, tu vois. Donc, ouais, non, c'est une bonne chose, en vrai. C'est une bonne chose que ça évolue dans ce sens-là. Surtout, c'est tellement tuba quand, genre, tu vois à la télé, ils parlent d'un sujet et les gens qui sont concernés par le sujet, ils sont pas là, frère. Ouais, bah oui. C'est un grand classique. C'est un truc de ouf. Ou les appels quand la guerre est finie aussi. Ah non, c'est trop tuba, frère. Ça veut dire maintenant, c'est une bonne chose. En plus, franchement, YouTube, ça te permet de créer du contenu. Twitch, c'est incroyable. Les stories, Insta, c'est incroyable. Frère, c'est trop. Tout le monde peut créer. Et en plus, à la fin, c'est juste, qui crée le meilleur contenu, mon ref. C'est ouf. Même en vrai, TikTok, moi, je comprenais pas au début le délire. Et en fait, je me suis rendu compte en allant dessus qu'il y a des vrais gens qui sont vraiment créatifs et qui ramènent des vrais trucs, tu vois. C'est dingue. Il y a des vrais trucs intéressants de fou. Ouais, je suis d'accord. Moi, YouTube, c'est une plateforme que j'adore, perso. YouTube, franchement, moi, je me régale. Moi, je suis un grand consommateur de YouTube, 10 fois plus que Twitch. Je stream beaucoup, je fais aussi des vidéos, mais j'adore YouTube. Genre vraiment, quand j'ai vu, par exemple, on a parlé de Chris tout à l'heure, quand j'ai vu un LSD 47 minutes...
T'es refait. C'est bien. Elle est bien. On n'est pas à la télé. J'étais trop content, tu vois. Ça va, c'est impossible. Je l'ai vu passer une première fois. C'était un moment où je pouvais pas trop regarder. J'ai dit, vas-y, je regarde plus tard et tout. Et là, je me le suis fait midi en mangeant. J'étais content. En plus, vraiment, moi, c'est ce que je trouve vraiment. C'est que dans la diversité qu'il y a dans les créations de contenu, c'est quand tu sais rechercher un peu des choses et quand l'algorithme aussi te permet de regarder les choses. C'est aussi très contrôlé par l'algorithme. Mais bon, ça, on pourrait en parler encore très longtemps. Mais du coup, quand l'algorithme te permet aussi de découvrir des vraies choses et d'avoir une sélection de chaînes où ça va de tout à rien et tu peux vraiment avoir des gens, mais vraiment qui ont des idées absolument exceptionnelles et qui, peut-être, il y a 15 ans, n'auraient peut-être pas pu, ou même sûrement pas pu les exprimer de cette manière. C'est vrai que c'est gratifiant. Moi, je suis grave d'accord avec toi. Et moi, YouTube, c'est ma nouvelle télévision. Bah, franchement, ouais. Je le consomme comme la télé. Et en vrai, ce qui est d'art de fou, c'est que tu tapes ce que tu veux. Tu vas trouver un contenu qui est en rapport. Parce que Google, c'est bien, tu vois, d'aller chercher les informations. Souvent, c'est écrit, tout ça. Mais YouTube, c'est de la vidéo. C'est donc, vrai. Ça veut dire que n'importe quoi, tu vas taper, tu vas pouvoir le trouver. C'est trop intéressant. Moi aussi, je kiffe YouTube. Bro, j'allais dire, vas-y, je pense YouTube, c'est une de mes plateformes préférées parce que, genre, depuis que je l'utilise réellement, je ne dis plus aux gens, je ne sais pas faire. Les genre, tutos. Les tutos. Genre, c'est vrai que genre, la mine d'informations en termes de tutos, c'est exceptionnel. Ouais. On me dit, tu sais changer à. Genre, par exemple, genre, truc tout bête. Genre, avant, je faisais de l'informatique. Enfin, de l'informatique, du coup, je bidouillais pour plein de trucs, tu vois. Et depuis tout petit, je bidouille plein de trucs. Genre, par exemple, je démontais les manettes de PlayStation de mon daron alors qu'elles fonctionnaient, tu vois. Genre, Et après, elle marchait encore ou elle marchait plus après ? Non, après, il me disait de les remonter, du coup, je les remontais, tu vois. Mais genre, j'ai toujours bidouillé comme ça. Dans nos anciens bureaux, on avait un appareil photo qui était mort. Et Sean, il m'a dit, ouais, genre, tu penses, tu sais faire ? J'ai dit, ouais. Et non, je savais pas faire. J'ai ouvert YouTube, j'ai tapé, ouais, réparer tel modèle. J'ai ouvert le truc, je l'ai réparé, bam. Et c'était réglé, tu vois. Genre, pareil, une des premières télés que j'ai achetées dans mon. Enfin, que j'ai récupéré dans mon premier appartement, genre, il y avait un condensateur qui était mort. Et du coup, il fallait que je la mette à côté du chauffage pour que le condensateur chauffe et que je puisse allumer la télé, tu vois. Ah oui. Et après, je me suis aperçu qu'en fait, c'était un condensateur à 50 centimes, tu vois. J'ai acheté le condensateur, j'ai ouvert la télé, j'ai changé la pièce. Ah, mais ça, c'est bien, t'as un peu de débrouille. Moi, j'ai appris à faire mes premiers montages YouTube comme ça aussi. Et c'est avec la première pro. YouTube, c'est trop bien pour la vérité, ce qu'il faut dire, c'est que Camino, ça existe aussi grâce à YouTube et les tutos YouTube. Bien sûr. Et puis, même moi, à l'époque, quand je te disais, j'avais acheté tout mon matos pour rapper, tout ça. Ouais. Frérot, c'est YouTube qui m'a aidé à faire ça. Ah oui, gros. En vrai, j'avais aucune connaissance de rien du tout des produits. Je suis allé, j'ai tapé, j'ai regardé comment on branchait les trucs, tout ça. Et au final, j'ai fini par pouvoir m'enregistrer en solo. C'est trop intéressant. C'est intéressant. D'ailleurs, sur YouTube, il y aurait probablement un tuto pour faire des collages un peu mieux que ce. Sinon, il a regardé l'affiche. Il a regardé l'affiche. Ah ouais. Si je peux me permettre ou pas de flexer, je fais pas mes fiches. Let's go. Ce n'est pas lui. Jean, c'est pour toi. Jean, pour un tuto pour pouvoir imprimer directement sur le sac en roue libre. T'as entendu ou pas? Ça m'a fait penser à une anecdote que j'avais quand on parlait des différents codes de manière de s'exprimer. Moi, j'aimais beaucoup la communication. C'est ça que j'ai fait mes études dedans. Mais quand j'étais en com au lycée, je disais à ma prof, pourquoi les marques ne s'expriment pas de manière. Enfin, de la manière dont nous on s'exprime. Genre les jeunes, pour nous, non, écoute, non, c'est pas possible. Je me rappelle, c'était un cas sur Obad. Obad, c'est marque de lingerie. Bref, c'était une étude de cas sur Obad. Elle me disait, ouais, non, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'il y ait une distance entre la clientèle et les marques. Ça peut pas fonctionner comme. C'est une prof de com. Regarde aujourd'hui comment ça se passe. Tu vois. Madame Benamou, vous êtes trompée. Plein de bisous. Après, elle, pour le coup, on lui a appris des choses, elle les retransmet, tu vois, ça peut s'entendre. Alors, en regardant un peu vos contenus, j'ai vu que vous avez fait du shopping en Allemagne, vous avez unboxé des choses, vous avez relooké des gens, vous avez fait des interviews, vous avez reçu des... Bref, vous avez fait des tonnes de choses. Comment est-ce que vous trouvez vos idées? Et chacun, dites c'est lesquelles que vous préférez faire. En perso et pourquoi? Donc déjà, comment est-ce que vous trouvez vos idées? En format. Déjà, comment vous trouvez vos idées? À quel moment vous vous dites, pour commencer, tu sais quoi, on va structurer. Pour commencer, comment est-ce que vous trouvez vos idées? Est-ce qu'il y en a un en particulier qui est mis sur ça? Est-ce que c'est l'autre qui se dit, est-ce qu'il y en a un qui vient sur YouTube, qui voit ce qui se fait ailleurs et qui se dit, peut-être que j'aimerais bien le refaire? C'est quoi le bail? En vrai, il y en a un qui rentre dans le bureau, qui crie. Et genre. Allume la caméra! Et genre, tu sais, on se dit, ouais, c'est d'art de faire ça. Pourquoi on prendrait pas des motos pour traverser Paris pour faire du shopping? Bah, vas-y, let's go, on y va. Et après, la team projet, elle s'occupe de réaliser nos rêves, entre guillemets. En vrai, c'est,
c'est que des trucs comme ça, tu vois. C'est que du freestyle. C'est que du freestyle. Je pense qu'il y a des formats souvent qui nous inspirent, qui sont pas faits en France et qu'on se dit on aimerait bien le faire. Ouais. Un peu comme dernièrement, on a lancé les mini concerts Camino. Ouais. Bah c'est franchement inspiré de Tiny Desk, tu vois. Ouais, bien sûr. Ah ouais. Donc c'est tu vois, c'est le genre de truc où on s'est dit vas-y, il faut qu'il y ait un bail comme ça en France. Moi, c'est un truc que j'ai souvent défendu, c'est que c'est vrai que quand il y a une idée qui est déjà faite ailleurs mais qui a pas chez toi, t'as pas besoin d'être le plus innovant du monde, réussir à l'exporter correctement, c'est ce qui peut te placer sur la carte. Mm. Ouais, de ouf. Okay. Et après, pour les autres formats, ouais, c'est... En vrai, c'est juste qu'on kiffe faire. Donc, ça change pas d'habitude, tu vois. D'accord. Et format préféré, je sais pas. Hein. Vas-y, chacun, un format que vous préférez faire ou que vous préférez voir sur la toi, chaîne. Toi, tu sais déjà, là, tu rigoles. Faire ou voir c'est sur la chaîne, non, c'est bizarre. Ça c'est pas entre Camino Club et Camino Maniana. Je kiffe de fou. Ah non, mais frère, ça, c'était noir. Bah ouais. Il a monté le son et tout. Bon, là, on a ramené top artiste de notre enfance, en fait. C'est bien ça. Ah, ouais. Écoutez, on a tous cogné. Oula, on l'envoie un DM, il a dit let's go direct. Aucun chichi. Magnifique. La vibe est bonne. Et il chante trop bien, frère. Vas-y, pousse un peu. Ah, j'entendais pas. Non, c'était une dinguerie ça. Bah, c'est très bien. C'était habillé là, par Mono. Là, on le voit pas. On le voit pas, mais il y a une vraie remise en question du public. Ah ouais, on est en tristesse complète. Non, mais j'aime bien. C'est tellement kiffant d'inviter des artistes qu'on écoutait quand on était petit et de pouvoir faire ça. C'est incroyable. Et on a eu un appel cet après-midi sur un artiste qui va venir en concert, mon ref. Mais bon, là, ouais. J'ai hâte. du coup, t'as dit Camino Club et Camino Mania. Ouais, Maniana, c'est le truc en live le matin. C'est le truc du moment. Parce qu'en vrai, la vérité, c'est vraiment drôle, gros. C'est vraiment drôle d'être en live sur Twitch. Vas-y, discute, présente vite fait ce que vous faites le matin. En vrai, le matin, on allume des micros et on est en... voilà. De 9h30 à 11h30. Voilà, et on parle. En résumé, c'est ça. D'un peu de tout. C'est ça. On unbox. C'est avec Enzo Le Fort. Et là, on a reçu Enzo Le Fort. C'était trop lourd. Il nous a expliqué. Frère, j'aime trop. En vrai, ça, c'est. Tu connais le Breakfast Club? Pas du tout. En vrai, c'est une émission aux States qui est faite par Angela Yee, DJ Envy et Charlemagne Dagold. Ouais. Ouais. En vrai, c'est une radio tous les matins. Et en vrai, ils reçoivent des invités. Des fois, ils traitent des topics, tout ça. Et en vrai, là. En fait, t'as des micros. Bah, en vrai, c'est comme là. Ouais, t'es libre, ouais. Mon ref. Ouais, je vois. Tu peux parler de ce que tu veux, inviter qui tu veux, raconter des conneries, unboxer n'importe quoi. On a unboxé le Ice-T de Maître Gims. Il y a deux jours, c'était vraiment. Il y en a dans le chat, il a dit unboxing Maître Gims. C'était vraiment. C'est... Frère, c'est lourd. En vrai, de toute façon, tout ce qu'on peut faire en équipe, là, c'est difficile de choisir. Ouais, on est en équipe, on est entre nous, on rigole, frérot. C'est le rêve. Ah ouais, c'est trop. Les Sneakers Tour, c'est une dinguerie. Les Sneakers Tour, c'est une dinguerie. Sneakers Tour, ça tu kiffes. C'est une dinguerie, bah ouais. Celui qu'on a fait à Bordeaux, c'est exceptionnel. Et en vrai, on mélange trop de passion. Déjà la bouffe. Ouais. Tous les soirs, tous les midis. Vous avez vu comment il fume au regard quand il dit la bouffe? Non, ouais, j'arrête, gros. Non, même pas. même pas. En vrai, je vais pas spoiler, mais dans le dernier, on a fait des activités qui sont sombres. Même pas là. Et en vrai, surtout, on voit les boutiques. De chaque ville, tu vois. Mmh. Et la commu aussi. Ouais, et la commu, bien sûr. Moi, j'ai regardé la vidéo que vous avez fait à Berlin et j'ai trouvé très stylé. Ben, c'était marrant. Parce que Berlin, c'est une ville où je suis allé 6 ou 7 fois. J'adore cette ville. C'est incroyable, frérot. C'est exceptionnel, Berlin. J'adore l'ambiance, la vibe qu'il y a là-bas et tout. Et franchement, même moi qui ai déjà fait des fripes et des trucs là-bas, vous m'avez fait découvrir cette adresse. Vraiment stylé. Lourd. Et tu vois le mélange street culture et genre ville. Ouais. Il est à 200% à Berlin. Et quand tu vois Paname, tu te dis, frérot, il manque des trucs. J'aime ce que t'as dit. Il manque des trucs. J'aime ce que t'as dit. T'as résumé le truc de ouf. Dédicace à Cyrus North, il est venu dans le chat. Il a dit qu'il kiffait. Si. Il a dit j'adore ces mecs. On a fait un dernier achat avec Cyrus. C'est exceptionnel. J'avoue, moi, en vrai, dernier achat, c'est cool aussi. Tu l'as pas préparé celle-là? Hein? Belle transition. Non, j'ai pas préparé, mais il m'a fait penser aux derniers achats. En fait, je repensais à tous les formats qu'on a. Vous kiffez tous les trucs. Et ouais, en vrai, on kiffe tout ce qu'on fait. Sûr. Mais les derniers achats, c'est cool parce que du coup, ça permet de vraiment parler de tout ce qu'on kiffe, tu vois. Et d'un truc d'actu aussi. Pas forcément. En vrai, pas forcément d'actu. Hein. C'est juste les derniers trucs qu'on a achetés. Okay. Et j'avoue, moi, c'est pas forcément d'actu ce que j'achète en général. C'est des vieux trucs, tu vois. Ouais, je vois. Donc non, c'est et puis c'est cool de voir chacun ce que chacun achète. Ça peut inspirer. C'est yam de ouf, et même pour les gens, nous dire ce qu'ils ont acheté dernièrement, ça, c'est un partage, c'est un partage qui est cool, je trouve. Ouais, parce qu'à un moment donné, ça fait 3 fois que Zach, il essaye de me donner la parole. Ouais, mais en douceur. Ouais, non, tu fais ça très bien. Il le fait non, bien. Non, c'est 97e. J'ai vu que tu voulais dire et tout, il y a pas 97e, exactement. J'aime bien. Non, en vrai, moi, mes deux formats préférés, ça va être bizarre ce que je vais dire, mais c'est le Camino Club
et le Avant j'étais moche dans la tête. Ah ouais, c'est noir. Ah ouais, genre, j'avoue, Avant j'étais moche. Genre, en gros, c'est les deux émissions où moi je m'éclate le plus. Ouais. Parce que il faut que j'arrive à retrouver des anecdotes que où les gens même ont oublié, tu vois, ou que personne pensait pouvoir que enfin que ça sorte un jour, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est chelou de dire ça, mais j'aime trop sortir le dossier et voir la tête de la personne, tu vois, et se dire ouais, comment il sait. Genre Alonso, par exemple, on avait fait, genre j'ai récupéré des vidéos de lui qui datent de 96. Je crois que c'est ses premières scènes. Ok. Et genre même lui, il les avait pas vues en fait, tu vois. Ouais. Et quand il voit le en fait, quand tout, quand ah, tu vois la réaction, quoi. Quand son équipe voit la vidéo et que, genre, et en plus, je crois que Sean m'expliquait qu'ils ont perdu. Enfin, sur la vidéo, il y a un mec qu'ils ont perdu depuis, tu vois. Et voir, tu vois, leur réaction, je trouve ça trop fort, tu vois. Oh, je suis mort, la photo de mes emails. Il y avait du dossier. Il y a ça, il y a, genre, quand on a fait l'unboxing, le Camino Club d'Ahmad, genre, l'histoire de son court-métrage où il s'est fait arrêter par la police, genre, personne savait, tu vois. Et quand je lui ai dit. Ouais, raconte l'histoire de la caméra, tu vois. Je voyais sur sa tête que c'était pas au programme, tu vois, ouais, à la base. Ouais, ouais, ouais. Et j'aime trop faire ça. J'aime bien, tu prépares un peu l'émission comme moi, on dirait. J'aime bien. Je pense. Ça sent pas bon. Ça veut dire qu'il prépare un truc pour la fin. Non, mais frérot, j'étais en régie, il a dit ouais, j'ai interrogé des gens avec qui vous avez bossé, tout ça, j'ai commencé à cogiter tout. Non, mais tranquille. Il n'y a aucun piège, il n'y a pas de souci. Bah, merci de vos réponses, j'aime beaucoup. J'aime bien que tu aies dit que tu as acheté des choses un peu vieilles parce que moi aussi, j'aime beaucoup le vintage, etc. Franchement, je kiffe ça. Genre, j'adore faire des fripes et tout. Et moi, personnellement, alors ça, c'est personnel que j'ai vu, mais il y a du monde qui retourne un peu sur streetwear un peu vintage. Et il y a même beaucoup de marques, je trouve, qui se lancent dans ça. Des marques avec des initiatives de mecs comme ça, tranquille et tout. Tu vois, même pas des grandes marques. On les retrouve dans les fripes, on les retrouve sur Insta, etc. Vous en pensez quoi un peu de peut-être ce retour pour beaucoup de l'ancienne, des fripes, de trucs qui se lancent comme ça en ligne, etc. Des fois même très cher, hein, je tiens à le dire. Il y a certaines marques sur Insta de vintage, vous avez des belles pièces, mais c'est très cher. Hein. Ouais, ben en vrai, j'ai l'impression qu'on est dans cette mode depuis 10 piges, hein, depuis 15-10 piges. Ouais. En vrai, l'un des premiers, je crois, d'entre nous à avoir cogné les friperies, c'est Sean. Ouais. Où en gros, je me souviens, il achetait des pantalons. Il coupait le bas pour que ça fasse un peu 7-8ème, que ça ait un flow. L'école aussi, porter des manteaux femmes, tout ça. Mais en vrai, c'est une tendance qui est revenue fort avec le délire un peu d'Achou, tu vois. Ouais. Où ça a commencé avec les sneakers et petit à petit, c'est arrivé aux vêtements avec le velours côtelé, etc. Mmh. Et en vrai, c'est devenu plus accessible puisque le délire vintage, t'avais quand même des boutiques où tu pouvais, genre, tu sais, t'avais les vêtements qui étaient entassés, tu pouvais récupérer des pièces pas chères. Ouais. Mais t'avais aussi le délire où. T'avais un petit peu tout le côté chic parisien qui s'appropriait le délire et t'allais dans des friperies où tout était hors de prix. Alors ouais, c'était gentrifié de ouf. Ouais. Exactement, tu vois. Et là, en vrai, ça devient accessible et c'est d'art, tu vois. T'aimes bien ? C'est un chef d'art. Ouais, je kiffe. Franchement, je kiffe. Et je me permets, parce que la mode, c'est que ça. Parce que Monroe et moi, en tout premier, on avait une émission dédiée à la mode et les vêtements qui était Signature. Ouais. Cette émission-là, on s'entraînait. Et du coup, il y a un truc qui revenait souvent quand on parlait des différents styles ou des différentes pièces. C'est que c'était à la mode il y a des années, que ça revient aujourd'hui. Tu vois. Ça fait que ça, en fait. T'avais une phrase. Tu te rappelles la phrase que tu disais ? Je me souviens de « Et ces ados ont bien changé. » Non, pas ça. Pas ça. La phrase sur la mode. Hein ? La phrase du début, genre ? C'était quoi la phrase ? Au début ou à la fin ? Non, le gros, il disait que la mode, c'est un cycle et que... Ah ouais, bah ouais. J'ai oublié la suite, mais je me souviens plus. La mode, c'est un cycle. Je me souviens plus. Du coup, c'est que ça. 100%. Moi, vraiment, vu que j'aime bien le vintage, etc., j'aime bien acheter des pièces comme ça. Genre, un avis personnel que j'ai et qui n'engage que moi. Mais quand je vois des pièces de l'époque et que après, je vais par exemple dans un Adidas ou un Nike classique et je regarde ce qui est produit actuel, je trouve que des pièces d'il y a 15, 20, des fois 25 ans, je trouve qu'elles ont 10 fois plus de personnalité. Ouais. C'est bizarre de dire qu'un vêtement a une personnalité. Mais je les trouve, je sais pas, genre je trouve que le parti pris est mieux. C'est moins uniforme et donc du coup ça te plaît ou ça te plaît pas, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus uniformisé à l'heure actuelle. Et peut-être que je dis de la merde, mais vraiment un avis perso. Bah non, voilà. C'est vrai. Et en vrai, tout à l'heure t'es arrivé avec une veste Yves Saint Laurent, ouais. Vintage frérot. Ouais, c'est vintage. Ouais, ouais. Ça m'a choqué parce que je me suis dit, t'étais mi-habillé en haut, mi-détente en bas. Et je trouvais que la veste, elle était... Non, c'est vrai, frérot. Elle détonnait. Gros, la veste, elle était lourde, frérot. Elle merci, était lourde. Merci. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Et en plus, je trouve ça tuba, parce qu'il y a une partie où en vrai, il y a des marques qui essaient même pas de créer des nouvelles silhouettes, des nouveaux trucs. C'est tout le temps ressortir des paires à l'ancienne, des vestes à l'ancienne. C'est dard. Franchement, non, c'est bien. Mais c'est bien, mais faut pas faire que ça, parce que sinon, ça veut dire aussi que t'empêches aux créatifs que t'as dans ta marque de créer des nouvelles choses, frérot. Ouais. Et ça, c'est pas bon. En quelque sorte, il est bride. Bah ouais, ouais, fort. Bien sûr. Bah ouais. Fort. D'ailleurs, la dernière pièce que t'as achetée,
via un de nos liens, il avait fait la ref, c'est une pièce vintage un petit peu. Ça, gros. Le pull Adidas. Ça, gros, le pull Adidas, il est parti. Les deux couleurs, hein. Et la livraison express, 24 heures. Hein. Je sais pas pourquoi je l'ai vu, j'ai dit, ok, ça. J'ai acheté direct, j'ai même pas essayé de réfléchir. Ouais, avec le lien. On comprend. J'aime bien. Et la veste Yves Saint-Laurent, je l'ai acheté à Tony Lafrippe, c'est à Belleville. Ils ont un petit magasin au-dessus d'un bar, c'est très stylé. C'est un gars sûr. Ouais, je l'aime beaucoup. Voilà, je tiens à le dire s'il y a des gens qui ont. Il avait eu un petit corner à Citadium. Ouais, à ouais, franchement, la veste, il en avait des tonnes comme ça. J'en ai pris un pour moi, un pour ma meuf. Maintenant, on match comme ça. Je crois qu'il a un pop-up dans samedi, je crois. Ouais, sans doute. Il en avait un au Sucre à Lyon il y a pas longtemps, ouais. Non, ça c'est... Ah non, pardon. J'aime bien. L'an dernier, ou je crois il y a quelques temps, en tout cas, vous avez commencé un peu à essayer de vous lancer un peu sur Twitch, etc. Avec des émissions, moi je suis venu, Joël est venu, il y a eu Billy, etc. Quel bilan vous tirez de ces premières émissions? Et est-ce que c'est à refaire ou non? Même si maintenant, du coup, vous faites des matinales. Ouais. Fort. Ouais, fort. Je fais référence. On va prendre le temps de... Il y a plein de concepts. Vas-y. Genre qui vont arriver. Et... Genre bah, déjà, pour les 5 ans, on avait fait le Acop ou à l'essai. Et c'était d'art. Et moi, je serais chaud de fou que les autres émissions reviennent. Puisque le Camino Club, le jeu, c'était d'art. C'était énervé, moi j'aimais bien. Le qui veut. Bon, le... Alors, les barres roses, c'est vos heures de stream et les barres vertes, c'est le nombre de viewers. Ok. C'est-à-dire, on est re-remonté là. Là, vous êtes re-remonté et vous recommencez à live de plus en plus régulièrement. Et le mois dernier, regardez, c'est votre mois le plus livé que vous avez fait de votre vie. Enfin, en tout cas, du média. Okay. Analyse, hashtag analyse. Et là, le pic, c'était l'anniversaire Camino. Moi, j'en garde un souvenir mitigé. Parce que c'était notre anniversaire. En vrai, on a grave taffé pour que le live, il se passe bien. On avait fait la... En vrai, on est chez Webedia, là. Donc, vas-y, je vais dire. Vas-y, exprime-toi, il n'y a pas de problème. En vrai, c'était l'anniversaire d'Acamino et on cherchait un endroit pour faire le live, tu sais. Et en vrai, j'essayais de trouver des studios, des trucs et tout. Et en vrai, j'avais demandé à Webedia, on avait reçu un devis, frérot, à 45 000 euros. Un bail comme... Ça veut dire, nous on s'est regardé comme d'hab, on a dit bon vas-y on va faire tout seul hein. On va faire tout seul, on a acheté des micros sans fil, on a acheté une table de mixage et après on a fait le live. Et c'était dur hein, pour gérer le son, c'était dur, on avait chaud jusqu'à la fin du live, on avait mis une Air Jordan 1 Dior en lot. Ça veut dire si elle partait, on allait devoir acheter la paire. On a sauté de joie quand j'ai sauté de joie. Et en vrai, on s'était débrouillé pour faire le truc et c'était épuisant. Regardez. Et en vrai, c'est le dernier live qu'on a fait pendant longtemps parce que moi, j'avoue que après le live, j'étais. Ça vous a fatigué. C'était pendant le Covid tout ça. Et en vrai, ça nous a permis de continuer à faire des trucs pendant le Covid. Mm-hmm. Et du coup, on a poncé grave le délire. Et c'est vrai que. Genre, l'anniversaire, c'était un peu la fin de ce truc-là, mais pas vraiment. Mais en gros, on a beaucoup taffé. Et à la fin, on était un peu épuisés, franchement. Ouais, je comprends. On commençait. Et même le live où t'es venu, par exemple, c'était le début de Twitch. Ouais. Et c'était la débrouille, encore une fois, tu vois. Donc, ça veut dire que l'installation, tout ça, c'était compliqué. Je peux te dire, dans mon local, je monte un plateau, là, etc. Donc, c'est bon, il est fait, il est prêt, etc. Mais ça coûte cher et c'est chiant à faire. Après, j'ai réussi, j'ai un ingé son qui m'a aidé, etc. Donc, au niveau du son, j'ai vraiment du lourd. Mais ouais, c'est relou. C'est relou. Donc, du coup, ça m'a pris 4 mois à le faire correctement. Du coup, c'était... Franchement, c'était des bonnes. C'était très fatigant, mais c'était des bons moments. Genre, les lives, c'était trop marrant, frérot. Trop dingue, ouais. Quand on jouait, tout ça, c'était. Ah, tu kiffais? Ah, franchement, c'était kiffant. C'était kiffant de ouf. Ça fait plaisir. Mais très fatigant. Et du coup, ouais, quand on est arrivé à ce live de l'anniversaire, on était tous épuisés, je pense. Hein. Ouais, et c'est ce qui a fait qu'on n'a pas re-live tout de suite derrière. Et là, on recommence à live. Il y a aussi l'évolution au niveau. Parce que. En vrai, l'anniversaire, ça nous a quand même aidé à level up le setup, tu vois. Ah oui. Et du coup, là, on arrive à un moment où, genre, niveau matos, on est bien et on est plus à l'aise pour faire des lives. Et c'est moins contraignant et c'est moins fatigant. Surtout, j'ai l'impression que vous faites des formats, entre guillemets, plus légers. Aussi, donc, ouais. C'est plus cool à faire, un peu répéter tous les jours et tout. En vrai, le 10, on va faire une émission un peu cool. Ok. Un peu cool. Le 10 novembre. Ouais, je crois. C'est le 10, 11, je sais plus. Le 10. Ouais. C'est top. C'est top. On dit souvent que travailler avec ses potes, c'est mauvais plan des fois, parce que du coup, c'est très difficile d'aller les uns envers les autres. Des fois, la relation amicale peut prendre le dessus et tu peux même avoir du mal à te dire les choses et ça peut en frustrer certains, etc. Parce que du coup, vous n'avez pas envie de vous froisser, nanana. Comment est-ce que vous faites pour réussir ceci? Comment est-ce que ça se passe quand vous n'êtes pas d'accord les uns les autres?
Et quand il faut prendre une décision, comment ça se passe? D'abord, pour commencer, comment est-ce que vous faites? En vrai, c'est tout le contraire. En vrai, c'est tout le contraire. Franchement, ces deux-là, ils sont écharpés pendant pas mal de temps avant de trouver un terrain d'entente. Et en vrai, moi, je trouve ça archi d'art de pouvoir bosser avec mes potes. Parce qu'en vrai, genre des fois, tu vois, j'ai un peu... À la base, j'étais quelqu'un de très renfermé. Et du coup, j'ai du mal à m'exprimer, tu vois. D'accord. Et en fait, de pouvoir aller voir mes gars et de leur dire, les gars, là, ce que je vais dire, je vais peut-être pas bien le dire, mais... voilà, ça va pas, là ça va pas, tu vois. Et de le dire avec mes mots à WAM, c'est un truc que je pourrais pas dire en entreprise. Ok. Genre, tu rentres pas dans le bureau de ton boss et tu lui dis, ouais, tu me casses les couilles, ça c'est pas carré, machin. Mm-hmm. Ou ton collègue, tu vois. Il va aller voir l'ARH, il va dire, ouais, c'est beaucoup plus formel. Tu vois, ça, tout de suite, ça part dans des trucs bizarres, tu vois. Moi, je pense, je suis d'accord avec ça. Non, vas-y. Je pense que ce sera mon dernier travail. Je pense que ce sera mon dernier job, déjà. Non, mais en fait, tu l'as dit dans ton énoncé, dans ta question, c'est que, si tu ne dis pas les choses, pour moi, ça ne peut pas marcher. Tu vois. Je suis d'accord. Pote, c'est impossible. C'est-à-dire qu'on s'embrouillait beaucoup, mais je pense que s'il y a un maillon faible dans l'équipe, genre il se peut qu'on arrive à s'embrouiller ou des trucs comme ça, tu vois. Mais à partir du moment où le noyau il est soudé, solide, ouais, et solide, je pense que ça peut. Enfin, ça pète pas. Ça pète pas. Ah, et en fait, en vrai, faut pas que laisser l'opportunité de que ça pète. C'est-à-dire que si tu te dis pas les choses, tu laisses cette opportunité se créer au bout d'un moment. Ouais, je suis d'accord. En gardant les trucs pour toi. Il y a des gens qui ont du mal à se dire les choses. Donc, comment tu fais pour résoudre ça? Genre, vous, au fil des années, 5, 6, il y a du travail. C'est du travail, mais il y a une personne ici qui sait très bien le faire et qui nous a appris aussi, nous, à le faire. C'est Sean, frérot. En vrai, quand il y a un truc qui n'allait pas bien ou qui n'était pas bon, frère, il nous disait la vérité. Et du coup, en vrai, on se ment pas à nous-mêmes, tu vois. Donc, on dit la vérité à nos potes. Frérot, si le truc n'est pas bon et que tu ne fais pas les bonnes choses. Genre, faut dire les choses. Et il n'y a que comme ça que tu peux avancer en vérité. Et il n'y a que comme ça, si tu vois que ton pote, il fait de la merde, si tu lui dis rien, il va continuer à faire de la merde et tu ne vas jamais le relever. Et imaginons, on prend un sujet et genre, deux avis peuvent s'entendre, mais vous n'êtes pas d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un qui a plus raison que l'autre, c'est deux avis qui peuvent parfaitement s'entendre. Bon, ça nous est arrivé pendant longtemps. Mais ça nous arrive tout le temps. Ça nous arrive. Du coup, ça se passe comment? On n'est jamais d'accord. En vrai, on n'est jamais d'accord. En vrai, tu testes. Ouais, mais comment tu testes de l'un ou de l'autre? Comment ça se passe, le processus, vous faites des votes? Je prends un exemple tout bête. Vas-y. Des fois, on sort des vidéos. Genre, moi, je pense à un titre. Sean, il pense à un autre titre. Ouais. Genre, je lui explique pourquoi moi, je pense ça. Lui, il m'explique pourquoi. Et il me dit, vas-y, on teste le tien. Si ça marche pas, on change demain. Et basta, tu vois. D'accord. Ou genre, c'est tout le temps comme ça, en vrai. Frère, moi, tu sais pourquoi j'aime trop ça, moi. J'aime trop. Parce que pour moi, en fait, il n'y a pas de mauvaise décision tant qu'il y a une. Tant qu'il y a une logique dans ta réflexion. Hein. S'il vient, on n'est pas d'accord, il me dit, moi je pense ça parce que ça. Mais je vais pas lui dire, non, moi je pense ça parce que ça. Bien sûr. Je dis, vas-y, on teste le mien, on teste le tien, vas-y, on y va. En vrai, c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Hein. Moi, j'avoue que je vois les relations de potes comme les relations. Comme ta relation avec ta go, gros. Si vous dites pas les trucs, ça va pas être. Merci. Tant de symbolique. Ouais, ça va pas être bon. Ouais, c'est-à-dire, c'est mieux, on se dit les trucs. Et vas-y, tu vois. Et même s'il faut s'écharper, on s'écharpe. Et moi, que ce mot est WAM. Eh gros, tu sais même pas, frérot. C'était trop, frérot. Ouais, même pas. Mais c'était constructif, hein. En vrai, ça nous a fait évoluer tous les deux. En vrai, on est têtus tous les deux. Ouais. Et gros, on s'est vraiment embrouillés salement des fois. Mais comme on est des potes, toujours dans le respect. On va aller se battre. Toujours dans le respect. En vrai, c'est jamais. Ça aurait jamais pu arriver aux mains ou quoi que ce soit. Tu vois, ça a toujours été verbalement. Mais ouais. Et moi, ça m'a fait grave évoluer, tu vois. Ah, moi aussi. Hein. Donc, moi aussi. J'ai un truc que je voulais dire, je ne me rappelle plus. Quand tu travailles avec Kusmo, tu peux travailler avec tout le monde après. Non, l'ancien, Kusmo. Ah, j'avoue, j'étais Kusmo un peu... 2015, là, 2013 même. J'étais noir. Pas dans une bonne passe, tu vois, psychologiquement. Noir, donc, et ça se retransmettait. Moi, j'ai du mal à pas... À faire genre. Ouais, à faire genre. Toi, Monroe, j'ai l'impression une force un peu plus tranquille, t'en penses quoi un peu de ce qu'ils sont en train de se dire? Moi, j'allais dire, en vrai, on a eu l'expérience aussi. Genre, on a eu... En vrai, on n'était pas que 6 avant, tu vois. Mm-hmm. Genre, il y avait du monde qui était là avant. Et on a eu l'expérience de, quand tu dis pas les choses, ça s'envenime, les gens, ils pensent des trucs dans leur tête, ils se montent une histoire.
Et au final, ça explose, tu vois. Alors qu'en vrai, tu peux désamorcer ça en disant la vérité dès le départ, tu vois. Ah, mais ça demande aussi de savoir mettre son ego de côté. Et ça, c'est pas fait pour tous. Ah, ouais, bien sûr. Sauf, monde, si, pas le faire. Sauf si on va tous dans le même. Sauf si on veut tous le bien des autres. Ouais, et tu vois, nous, on aime bien, mec, notre communauté, être en mode. On veut le bien de notre communauté. Quand il y a des gens, ils sont en bouillant en commentaire, on dit hey, les refs, chill, venez, on n'oublie pas que nous tous, on aime les mêmes trucs. Ouais. Qu'il y a plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous divisent. Ouais. Là, de toute façon, il va se passer quoi? On va s'embrouiller, nous six, on va faire quoi? On va aller travailler au Monoprix ou au McDo et retourner à notre vie d'avant? Ah non, frère. C'est-à-dire, c'est mieux, on applique ce qu'on dit aux gens de faire dans la communauté et on essaie de s'entendre, frérot. Mais en vrai, on s'entend bien. Et ça va trop mieux quand tu discutes, surtout gros. Même quand tu joues au foot, si tu parles bien avec ton collègue, quand vous jouez, c'est noir. En vrai, tu vois. Ouais, ouais, c'était c'est ce que j'ai. Ça n'empêche pas de faire des mauvaises passes, mais c'est... au moins tu lui dis quoi. Je me sens visé. Au moins il le sait. Je me sens visé. C'est bête à dire, mais dans une relation, le plus important, c'est la communication. Ouais, je suis d'accord. Ça veut dire que. Elle est où ta street cred? Mais de toute façon, frérot. Elle est plus là, là depuis longtemps. On n'en a plus besoin de toute façon. Jeff Koontz. Faut pas être vulgaire. Mais non, mais je le pense vraiment, vraiment, vraiment. Et je suis d'accord avec Sean. J'aime bien. Je suis allé voir quelqu'un du coup avec qui vous avez déjà travaillé, peut-être vous en rappelez pas, mais justement pour lui demander une question un peu sur le monde, etc. Ah. Alors, apparemment, vous le connaissez, Didier de SNS. Ah, Didier. Voilà. Donc, je suis allé le voir, je lui ai dit, bah tiens, je vais recevoir Camino, etc. Est-ce que, parce que lui aussi, il est passé les sneakers, je lui ai dit, est-ce que tu penses qu'il y aurait une question intéressante, etc., à leur poser. Donc, la voici. Dédicace à lui. Il y a pas un duplex là, Yassine. Non, il n'y a pas de duplex, c'est moi qui vais aller poser. Non, moi j'ai cru. Non, je suis son porte-voix. Didier, il allait arriver comme ça dans le. T'as déjà parlé avec lui ou pas? En DM, ouais. Ouais. J'ai jamais vu en vrai, par contre. Je pense que ce mec est trop intéressant, frérot. Ouais. Donc, je te pousse à parler encore plus avec lui. Eh ben, je vais en parler encore plus avec lui, merci. Alors, il m'a dit, je cite. Alors, à l'heure des rafles constantes, comment imagine-t-il que la consommation de sneakers va évoluer à l'avenir? Et ont-ils eux-mêmes des idées pour améliorer le rapport marque-client? C'est des discussions qu'on a déjà eues. Ouais. C'est des discussions qu'on a eues avec lui. Ah bien, je crois bien. C'est des discussions qu'on a quasiment tous les matins en live. Donc, comment imaginez-vous que la consommation de sneakers va évoluer à l'avenir dans un premier temps et après, je vais répéter la seconde. Vous pouvez y aller. Ouais. Est-ce qu'on peut répondre Prends ton temps, gros. On va répondre, mais pas en profondeur parce qu'en vrai, cette expertise-là, c'est l'expertise qu'on vend en marque. En vrai. Ça veut dire des fois on dit des trucs en live ou dans des contenus, le lendemain on allume des OP de marque, c'est exactement ce qu'on a dit. Mais non, mais le timing et tes trucs. Ah mais je comprends. Donc, vas-y, mais on va répondre. Et même des fois quand on leur dit, ils disent non, tranquille. Après on dit non, dis la vérité. Après ils disent non. Ouais. Comme vous sentez, je suis pas là pour mettre dans la question. Alors, comment est-ce que vous imaginez que la consommation de sneakers va évoluer à l'avenir? À l'heure des rafles constantes. Donc à l'heure actuelle, il y a plein de rafles tout le temps, machin. Comment est-ce que vous imaginez que la consommation de sneakers va évoluer? Un exemple de ce que Pata a fait, ils ont redonné l'accès. Ils ont fait rappeler aux gens que c'était possible de faire des sorties de sneakers comme à l'ancienne. C'est-à-dire premier arrivé, premier servi avec un nombre assez conséquent de perches. Ouais. Et c'était cool. Les gens, ça leur a fait plaisir de regoûter à cette expérience. Même, il y en a qui ne l'avaient jamais fait, je pense. Ils l'ont fait pour la première fois. Donc, il y a plein de portes. Il y a plein de portes de possibles. En vrai, pour compléter ce que tu disais, on n'en a pas parlé en France, mais en vrai, la New Balance Salé et Bembury, elle était dispo à Châtelet, premier arrivé, premier servi. Tu vois. Aussi, tu vois. Et tout s'est bien passé. J'ai pas eu ma paire, mais tout s'est bien passé. C'était quoi votre rapport avec ça? Est-ce que vous pensiez que, vu qu'il y a à chaque fois des quantités limitées pour également garder une valeur du truc et que, du coup, bah, le système de rafle, il a son problème Moi, je pense vraiment qu'il y a plein de trucs sur lesquels les marques, elles sont tubes. Et elles font pas attention. En fait. Comme par exemple. Genre, on écoute. Elles ont une vraie visibilité sur la data, tu vois. D'accord. Ça veut dire qu'elles savent exactement qui veut quelle paire. Et par exemple. Salami dans notre équipe, elle reçoit des accès exclusifs sur des paires qui sont pas dans sa pointure. Ça veut dire, il y a des paires elles sortent à partir du 40, elle reçoit un accès exclusif alors que c'est écrit qu'elle fait du 38 dans son app, tu vois. Donc pour moi, genre, je pense que le step d'après, ça va être de mieux utiliser la data et de produire plus, tu vois. Mais d'un autre côté, je pense aussi que les marques elles sont moins en position de force. Et là, en vrai, le public, il dit, vous nous faites chier, on n'arrive pas à acheter les produits.
on va aller acheter chez New Balance. Ou vous nous faites chier, on n'arrive pas, vous ne créez pas de nouveaux modèles, on va aller acheter chez Adi, etc. etc. Donc je pense qu'il y a aussi que le peuple a le pouvoir, en vrai. Je pense que le peuple a le pouvoir. Et je pense qu'au-delà de genre de la disponibilité du produit, il y a aussi les conditions de production du produit où les gens... En vrai, quand les problèmes s'accumulent, genre tu peux pas avoir le produit il a été conçu par des peuples opprimés, des trucs comme ça. Mmh. Les mecs, à un moment, ils en ont marre, bref. Ils en ont marre. Et ils veulent que les situations changent, alors ils essayent d'acheter d'autres produits. Et en plus, là, c'est même pas genre, il y a... Par semaine, il y a 10 paires chaudes qui sortent. C'est-à-dire, si t'es regardant sur les conditions de production, tu peux trouver une marque qui produit bien. Ouais. Si t'es regardant sur le fait que les paires soient dispo, tu peux acheter autrement tout ça. Donc pour moi, les marques, elles vont être de plus en plus à l'écoute. Et je suis pas sûr que moi, ça dure. Et en plus, tu vois, pour parler de Didier de SNS, après je vais passer la parole pour parler de Didier de SNS, lui, il gère un shop. Et en vrai, les marques, elles font exprès de faire monter la hype sur certains produits et eux, ils vont leur donner deux paires et ils vont dire hey, la foule devant, gère, c'est toi qui te débrouilles. T'as deux paires, démerde-toi. Frérot, c'est ça, veut dire qu'ils doivent gérer avec la sécurité, ils doivent gérer. C'est une galère, gros. Les mouvements de foule dans Paname, c'est une galère. Et en vrai, on l'a vu avec Supreme, ça finit jamais bien. Donc autant faire en sorte que tout se passe bien, mettre des produits de plus en plus disponibles, et voilà, tu vois. Et nous, de notre côté, on essaye de. En vrai, si vous regardez vraiment Camino, vous voyez que les produits que nous, on met en avant et qu'on kiffe et qu'on porte à nos pieds, c'est jamais des produits hype. Presque jamais des produits hype, tu vois. Ça peut arriver une fois en passant. Mmh. Mais sinon, on porte que des produits qui sont largement dispo. Et les produits qu'on partage aussi sur les réseaux, ils sont largement dispo. Ah bah moi, quand j'ai cliqué sur le pull Adidas, c'est que j'ai vu que j'ai pu le mettre dans le panier. J'étais content. Ah oui, tu vois. J'étais content. En vrai, il y a des produits cool partout. Il faut pas regarder que les produits qui sont rares, en vrai. Vous en pensez quoi, un petit peu, les autres? Moi, j'avoue, j'ai un regard un peu pessimiste là-dessus. Vas-y. Je trouve que bah, déjà, le délire de petites quantités, de raffles, de jouer pour gagner ta paire, pour gagner le droit d'acheter ta paire, je trouve ça inadmissible presque, tu vois. Ah ouais. Et c'est relou. Mais en vérité, c'est que sur une petite partie des produits. Parce que comme il l'a dit, il y a énormément de produits. C'est juste que les gens... J'aime pas dire ça, mais on a aussi notre responsabilité de consommateur. Mmh. C'est-à-dire que tant qu'on va acheter. Non, mais moi, j'en fais partie, tu vois. Mmh. Je me jette la pierre à moi-même, en vrai. Genre, tant qu'on continue à acquiescer ce délire-là et à participer au raffle et à acheter et à se précipiter pour avoir certains produits, etc., bah, les marques, je pense qu'elles vont pas s'arrêter de le faire, tu vois. Ah non. Et du coup. Je pense que tant qu'il n'y aura pas un vrai... Et en vrai, on parle d'une marque, en vérité, quand on parle de ça, tu vois. Mmh. Tant qu'il n'y a pas un vrai boycott ou un vrai truc qui est fait pour leur expliquer que vas-y... Parce qu'en vrai, là, de plus en plus, les gens en ont marre et le disent. C'est bien, tu vois. Mais on continue de cliquer. Et vas-y, je pense que tant qu'il y a ce délire-là, bah, il y aura toujours ce délire d'exclusivité. Maintenant, je pense que c'est aussi à nous... de faire cet effort, et nous, je trouve qu'on le fait bien chez Camino, tu vois, c'est de montrer que, vas-y, il n'y a pas que ça qui existe, et c'est pas parce que telle personne a porté cette paire que tout le monde doit avoir cette paire, et en vrai, t'as tellement de possibilités qui sont archi cool, et des fois peut-être mieux que ce qu'ils veulent mettre en avant, tu vois, bah je pense que c'est juste, faut ouvrir les yeux, faut arrêter de se mettre dans un mood où tu penses que parce que t'as ce produit-là, bah tu vas rentrer dans ce mood de personne-là, en vérité non, parce que nous, quand on marche dans la rue, quand on voit des petits ou des gars qui sont dans notre délire, etc. Bon, on a des trucs différents, mais on kiffe ce qu'on voit et on est ensemble, tu vois. Donc, moi, c'est juste ça. Donc, côté marque, j'ai l'impression qu'ils vont pas trop bouger, tu vois, qu'ils vont continuer. Tu vois, le truc de Pata, je trouve que c'est archi d'art, mais c'est ponctuel. Et... Ils avaient fait quoi, Pata, si tu peux résumer vite fait pour ceux qui vous écoutent ? Il y a un délire ces dernières années, c'est qu'il n'y a plus vraiment de drop physique. OK. Et il y a aussi ce délire de paires limitées où... tu sais pas si tu vas gagner, et même si t'es le premier à cliquer sur le truc, tu sais pas si tu vas avoir ta paire. Donc ils sont revenus dans un mood qui est un peu à l'ancienne, où genre tu viens, et le premier qui est devant le magasin, le premier qui va rentrer, et bah c'est le premier qui aura sa paire. Et après le deuxième, puis le troisième. Et après le deuxième, et ainsi de suite. Donc c'est juste toi qui te déplace et qui, tu vois, t'as des terres. Ça veut dire, si tu veux vraiment le produit, tu viens 4 heures avant, t'as ton produit, et en même temps, tu fais la queue avec des mecs qui sont passionnés comme toi, donc t'as aussi cette expérience physique. Tu rencontres des gens. Ils ont refait un peu ce délire-là qu'il y avait à l'ancienne, tu vois. Et
mais pour moi, c'est trop ponctuel. Et Pata, ils l'ont fait parce que c'est des mecs à l'ancienne et qui sont dans la sneakers depuis très longtemps et qu'ils ont appris, tu vois... Et qui contrôlent leur quartier, en vrai. Et qui contrôlent leur quartier parce qu'il n'y a eu aucun débordement, je crois. Ouais. Tout s'est bien passé, tu vois. Il y a eu énormément de monde et c'était nickel. Et voilà, mais c'est trop ponctuel. Et en plus, bah, la marque ne va pas s'occuper de tout ça, comme il disait tout à l'heure. Ouais. Genre, eux, ils s'en foutent des gens qui attendent et qui se bagarrent devant pour une paire, tu vois. Mmh. Donc voilà, moi ce délire-là, je trouve qu'il est trop ponctuel et je trouve que c'est dommage de pas être sûr de pouvoir avoir son produit quand tu le kiffes, tu vois. Ouais, j'entends. C'est relou. Monroe, puis ouais, vous avez peut-être quelque chose à rajouter, ou si vous avez rien à rajouter, c'est pas grave. Hein. Ouais, moi j'allais dire, les marques là, pour moi, dans les prochaines années, elles vont se reconcentrer. Enfin, le but d'une marque, c'est quand même de faire l'argent, mais je pense que l'éthique, elle va être réintégrée aux marques. Je pense que tout ce qui est environnemental aussi, je pense que j'avais une autre chose en tête. La communauté, bien sûr. La communauté, je pense qu'elle va être mise au centre aussi, parce que c'est eux qui achètent. Et en vrai, je pense qu'il faut de la transparence, parce qu'aujourd'hui, les marques, elles communiquent. Mais en vrai, il y a trop de points incohérents, tu vois. Que ce soit dans les publicités, leur façon de communiquer, etc. Ou genre, ils font mine de représenter tout le monde. Et... Alors que non, et en vrai, la réalité, c'est que... Bon, c'est vrai qu'on parle que d'une marque, mais que... Genre les gens qui kiffent vraiment le produit aujourd'hui peuvent pas les avoir, tu vois. Donc, pour moi, il faut vraiment que tout ça se soit remis au centre. Et en vrai, c'est pas les produits limités qui dérangent, tu vois. S'il y a des produits limités et qui disent que c'est limité, ben, en vrai, il y aura toujours autant de personnes qui les voudront, mais au moins, elles sauront genre, à quoi s'attendre, tu vois. Aujourd'hui, genre, les marques, elles communiquent pas vraiment sur les produits. C'est en mode, ouais, il y a ça qui sort, mais ils disent pas si c'est limité. Ouais. Pas, quoi, tu vois. Ça fait que tout le monde se jette dessus et... Et c'est ça qui crée le problème et la frustration. Ouais. Un jour, Didier nous a dit, il y avait une paire limitée qui dropait chez lui. Et il disait, mais moi, cette Stan Smith-là avec la fraise dessus, j'en ai deux. Et la paire pour laquelle tout le monde se bat, j'en ai 1000, tu vois. Et en vrai, la plus limitée, c'est la Stan Smith avec la fraise. Mais les gens se battent pour celle avec qui ils ont vu la publication. Tu vois, en résumé, c'est ça. Tu vois. C'est-à-dire que c'est même pas forcément la paire la plus limitée. Si ouais, tu regardes la Air Max 1, là... Bah ouais, frère. Je pense qu'ils ont encaissé comme jamais. Ouais, et en vrai, c'est le seul truc sur lequel je respecte Nike, en vrai. C'est qu'en faisant ça, ils ont quand même donné un CA incroyable à Pata, frérot. Ouais. Et c'est que avec l'argent que tu peux développer des mecs comme As, tu vois. Que j'avoue que... Ils sont capables d'un bon pire comme du meilleur. Bon ah ouais. Non, j'aime bien, d'une manière, vous m'avez répondu sur les raves constantes, la consommation de sneakers et un petit peu des idées pour améliorer le rapport marque-client. J'aime bien. Dédicace à Didier. Didier, oh, franchement, t'as répondu des bonnes choses. J'aime bien. Tain, franchement, c'est trop détente. J'aime beaucoup vos réponses. Ça me fait trop plaisir cette émission, franchement. Vous devez pas voir le temps passer parce que ça fait quasi 2 heures déjà. Let's go. On est en bonne compagnie. C'est yam. Le host est de qualité. Non, merci beaucoup. Les viewers dans le chat sont très contents. En vrai, de vrai, la télé, t'ont déjà approché pour faire des trucs? Non, jamais. Ok. Franchement, on est bien ici. On est bien sur Twitch. Non, mais j'adore ça. Il y a Joël dans le chat en plus. Joël, c'est quand, frérot? Il a dit, moi, je m'inspire d'eux de fou. Ah, c'est Big Love. Il vous aime bien, Joël. Très fort, lui aussi. Très fort. Grosse dédicace à Joël, le frérot. Enfin, en finalité, c'est quoi un peu vos projets à venir, la ligne directrice des prochaines années? L'an dernier, vous avez commencé à essayer un peu de vous lancer sur Twitch, etc. Ah non, désolé, c'était la réponse d'abord. Du coup, en finalité, quels sont vos projets à venir et la ligne directrice des prochaines années? Comment vous voyez les prochaines années pour vous? Bon, déjà, il y a eu un statement. C'est notre dernier travail. Voilà. C'est un autre statement. C'est que ce mot. Merci. Merci que ça. C'est-à-dire? Moi, j'ai dit, moi. j'ai entendu, c'est ton dernier non, travail, je suis pas bête. Non, en fait, ce que je voulais dire, en vrai, c'est que, vas-y, moi, je reprendrai pas un taf normal après ça. D'accord. Si mes gars, ils sont là jusqu'au bout, je serai là avec jusqu'au eux. Jusqu'au bout. En vrai, c'est juste ça que je voulais dire, okay. Par là. C'est que, en vrai, on est arrivé à un truc qui est archi cool, c'est de pouvoir vivre de sa passion. Très bien. Avec des gens qu'on aime, frérot. Ouais. C'est trop lourd. Et si c'est pas dans Camino, ce sera dans autre chose qu'on fera des trucs, tu vois. Moi, en tout cas, c'est ça mon état d'esprit quand je dis, moi, c'est mon dernier taf. C'est que, vas-y, c'est bon. C'est ce monde maintenant. Ouais, moi, je suis dans ce monde-là, je suis avec mes gars et j'ai pas envie que ça bouge, frérot. Je vois. Et du coup, pour votre chaîne, vos contenus, vos bails, vous avez des projets, vous avez une direction que vous avez envie de prendre, il y a des choses qui vous inspirent, des trucs que vous avez envie de faire, des trucs que vous avez peut-être un peu moins envie de faire maintenant, c'est quoi le bail? Moi, j'ai un
Tu vois, qu'on, tu vois, par exemple, on a fait une interview il n'y a pas longtemps avec Mehdi. Ouais. Et là, on passe en interview. Et moi, j'ai honte de passer en interview parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas fait assez de trucs. Et en vrai, là, j'aimerais que nos prochains projets, ils soient... Ils impactent vraiment genre, les gens qu'on aime, notre communauté et tout ça, tu vois. Et en vrai, là, après, ce serait... Faire des bails. Pas que des events. En vrai, on a organisé... On a organisé ça fait... Ça, les deux dernières éditions du Sneaker Event, on les a organisées en entier, tu vois. Et c'était lourd, et... mais... On veut faire plus. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, j'ai envie qu'on... En vrai, on s'en parle souvent, mais on a envie de faire des vrais trucs qui changent un peu le jeu, tu vois, qui permettent à des nouvelles personnes de rentrer en contact et d'utiliser les contacts que nous, on a, en vrai. Parce que maintenant, on a un carnet d'adresses et les marques nous font confiance. Et là, maintenant qu'on a ouvert la porte, on a envie de faire rentrer tous. Vite, vite, vite. Ouais, en vrai, tu vois. Et on travaille sur un projet. Le gros projet sur lequel on travaille, c'est un projet comme ça. C'est pas forcément contenu et tout. Contenu, bien sûr. Genre, ça va toujours être on a envie de faire ça, on fait ça. Mais on a envie à côté de pouvoir créer ce truc. Ce pont. Ouais, ce pont, tu vois. En vrai, il y a un petit truc. Vas-y. Qu'on a fait. Qui allait un peu dans ce sens-là, c'est le projet qu'on a fait Lacoste avec les gens qu'on a ramenés, tu vois, et qu'on a fait bosser sur une campagne. Très bien. Tu vois, c'est le genre de truc vers lequel on prend son temps à aller, tu vois. C'était quoi plus massif. Un petit peu en détail, ce truc-là, Lacoste, vite fait. Le projet bah, en gros, on a été en contact avec Lacoste pour le lancement d'un produit. Et bah, genre, plutôt que nous prendre le produit et faire du contenu avec, on s'est dit que ça serait cool de mettre en avant la communauté et bah, de mettre en avant les créatifs, en vrai. Donc, on a lancé un appel sur les réseaux. Et que ce soit eux qui fassent la... Et du coup, la commu a sélectionné une styliste, une maquilleuse, deux mannequins, un DA et un photographe vidéaste. Et ils se sont occupés de la campagne, de la vidéo, quoi. Et en vrai, le budget qu'on a récupéré, on leur a dit, tenez, et vas-y, genre faites ce que vous avez. Fait, tu vois. On les a accompagnés sur tout ce qui était administratif, création de statut, etc. etc. Ah, parce qu'il y en avait qui n'avaient pas de statut et tout. Ah, et voilà, après c'était parti. Eh ben. Ouais, ça là, ça c'est noir. Ça. Et en vrai, ça c'est noir. Ça te parle, ça. Ça me parle, tu vois. En vrai, c'est peut-être un peu spécial de dire ça comme ça, tu vois. Genre, ce qu'on fait genre en vidéo, c'est archi cool. Moi, je kiffe réellement, tu vois. Que ce soit les lives, que ce soit à partir. Dans des villes avec mes potes, genre faire tout un tas d'activités, recevoir des gens que j'ai vus quand j'étais petit et tout. Genre, c'est d'art. Mais j'ai envie aussi qu'on fasse des trucs où, genre, tu sais, je peux dire à. Une fois que tout ça c'est fini, je peux dire à mes darons et je peux dire à mes enfants, genre, ton père il a fait un truc. La postérité. Genre, il a fait un truc qui a fait. Bah, en fait, en vrai, qui a fait avancer le mouvement, tu vois. Et je trouve ça trop important. La tête d'homme, la pub c'est trop, j'ai des frissons. Tu sais qu'elle est énervée. Hein. La pub c'est trop. J'avoue que j'avais pas vu, pas c'est son, énervé. Hein. C'est Wavy à la prod. Hein. Tu vois, si on a le son, Ah pardon, excusez-moi. Ah, on l'a. Putain, énervé. Ouais, ce qu'ils disent dans le chat, incroyable la vidéo d'ailleurs. Ben, les refs, c'est ils bon. Sont plusieurs à le penser. Ah, ça c'est des trucs frérot. Ah, c'était d'art. En vrai, faire participer la communauté. Mais moi, ça m'a donné des frissons. Faire participer la communauté jusqu'au bout, tu vois, et donner la chance à des gens comme ça, c'est. C'est trop lourd. Et franchement, ils étaient inspirants même de les voir bosser de ça. C'était trop bien, frère. Bah, c'est énorme. Bah, sur ces quelques paroles, on arrive à la fin. Let's go. Franchement, superbe émission. Je suis trop, trop heureux. Du bruit pour Zach, mesdames et messieurs, dans le chat. En plus, lui aussi, il a un parcours noir. Je suis chaud, on fait un Camino Club. Voilà. Merci. Je viens quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu es libre le dernier... On prend le rendez-vous maintenant, le dernier mercredi du mois. Dernier mercredi du mois. En plus, je suis sur Paris, oui. Let's go. Dernier mercredi du mois, mesdames et messieurs, Camino Club. Je viendrai, parce que la veille, je fais accord au libre, donc je suis là le mercredi également. Ça m'arrange. Par contre, il faut que je vous fasse une dernière confidence. Il est archi pas sur le chat depuis tout à l'heure. Il est sur News Maxi Foot. J'ai vu au début. Vous êtes là, hein. Je n'ai pas menti. Les bâtards. Bon, on arrive à la fin. Vraiment, c'était de la frappe atomique. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'être venu, etc. J'espère que ça vous a fait plaisir. Vous exprimer, discuter des trucs d'actu, des trucs de votre histoire, des trucs du futur même, etc. Donc c'est très très lourd. J'espère que ça vous a fait vraiment plaisir. J'espère que dans le chat également, ça vous a fait plaisir. Comme d'habitude, la rediff sera disponible. C'est simple. Si vous venez d'arriver, elle est disponible gratuitement sur Twitch dès qu'on va couper dans 3 minutes. Si vous êtes pressé, elle sera disponible demain matin. Enfin, dans l'après-midi sur ma chaîne YouTube,
comme d'hab. Et pour le reste, on se retrouve la semaine prochaine. Ce sera le premier artiste de la saison. Je reçois Captain Rochis. Captain Lourd. Ça va être de la frappe. Ça va être de la frappe. Donc je remercie encore une fois Camino TV. Je remercie tous les frérots qui sont venus ici. Je remercie tous les frérots qui étaient là dans le chat. Des gros gars. On vous remercie la régie. Ça a duré 4 minutes. La régie. C'était noir. Il y a Harry dans la régie, les frères. Chasseur. Zakor Olive, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, les amis. Let's go. Bisous. Suivez Zach partout. Ciao, ciao. C'est noir. Bye bye.